Ce soir, Johnny Hallyday, David Hallyday, Brad Pitt, Matt Damon, Don Cheadle, Jerry Vengrove, Diane de France, Jean-Pierre Foucault, Gérard Devilliers, Eric Ramzy, Frédéric Becbédé, Gwen Stefani, Didier Lestrade, Thierry Crémès et mon ami Laurent Baffy. Je vous demande de vous arrêter. Alors, tout de suite un message pour dire c'est pas le vrai. Alors ça le fait quand même quand on va arriver, Johnny Hallyday. On a beau avoir 20 ans d'interview, avoir reçu la terre entière, il n'y a pas à dire, quand tu arrives sur le plateau, ça fait le choc quand même. Pour moi aussi. Ah ouais? Oh non. Un message pour nous demander d'où viens-tu, Johnny? En fait, Johnny, on se connaît pas très bien. En fait, moi, je suis pas trop l'ami des stars. C'est vrai, je fréquente pas beaucoup les. Et lui, il fréquente pas les boîtes que tu fréquentes également. Et notre première vraie rencontre, en fait, c'était hier. Alors, j'ai trouvé ça génial hier parce que t'es arrivé avec, je crois, une demi-heure de retard et tu t'es excusé 3 fois. Moi, je trouve ça extraordinaire. Bah oui, c'est normal. On avait rendez-vous à 3h et je suis arrivé à 3h30. Ouais. J'aime pas arriver en retard. Tu sais, avant, j'arrivais toujours en retard. Pas une demi-heure en retard, mais 2 heures en retard. Ouais. Je confondais l'heure du rendez-vous avec l'heure de départ de chez moi. Ouais. Et puis, quand j'ai commencé à faire du cinéma, le premier jour où je suis arrivé en retard, j'avais toute l'équipe qui était là en stand-by, qui attendait. Quand je suis arrivé, ils m'ont regardé, ils m'ont rien dit. Et je me suis senti tellement mal que je suis toujours arrivé en avance après. Il y a des trucs sur les pompes, ça gêne pas à l'image? Quoi? Il y a des taches, il a dû marcher dans la flotte, bouge pas. Ici, on cire vraiment les pompes. Ah, ouais, ouais. Dis-moi, tu m'as dit hier que tu regardais souvent l'émission Tout le monde en parle le samedi soir sur ton grand plasma géant là. Je regarde souvent avec Mathilde Seigner. Ouais. Tu penses quoi du verre du plateau là? Ça donne mauvaise mine. Ah. Le verre donne mauvaise mine en général. Non, mais il a raison. C'est vrai. Ouais. Et il en a bu des verres. Je crois qu'il va falloir en sortir de ça. Il n'est pas mûr. Dis-moi, Johnny, t'as un bon look là, ça va, en bonne forme? Ça va, ouais. Hein? T'es revenu en début de semaine d'une cure, Laurent, ça peut t'intéresser, de biontologie. Ah oui, c'est debout à 6 heures avec un lavement. Non, non. Non, c'est une science qui s'intéresse au vieillissement psychophysique, hein, c'est ça. C'est un peu de la médecine chinoise. Ouais. Et on voit un petit peu tout ce qui va pas dans ton corps, que ce soit le foie, les intestins, les reins, les poumons. Les abats, quoi. Encore un groupe célèbre qu'on salue au passage. Non, mais ça t'a bien réussi, dis donc, non? Non, oui, je suis en pleine forme. Ouais. Ouais. Fais gaffe quand même parce que c'est un truc pour rajeunir. Donc avec Laetitia, un jour... C'est qui Laetitia? Laetitia Hallyday. Tu connais pas? Sa femme?
Oui, c'est ça. J'avais Nati, moi. Qui fait mes fiches? Bah, je vais corriger, c'est pas grave. L A E dans l'A, hein, c'est chiant à écrire en plus. C'est ça, Laurent, c'est pas compliqué. C'est Gainsbourg qui m'a appris. L A E dans l'A, T I T I A. Bien, David, ça va, Johnny, ouais. David, c'est qui ça encore? David, il vient souvent ici. Mais j'avais Anthony, moi. Laura, ça va? Laura, bah, j'avais Mazarine, elle, merci. Elle est en train de tourner en ce moment avec un nouveau film. Ouais. Alors maintenant, je vais me faire plaisir. Hein. Non, je vais me faire ma music story Johnny Hallyday, c'est-à-dire qu'il y en a énormément de titres, c'est très compliqué, j'ai fait un effort surhumain, j'en ai choisi 10, c'est mes 10 préférés, voilà. En avant, Didier. Parce que je suis né dans la rue, oh oui, je suis né dans la rue, dans la rue, oh ouais. Maintenant je ne vis plus où les murs sont toujours gris. Mon nom est en argent et ma guitare est en or. Mes chansons d'hier sont bien les mêmes qu'aujourd'hui. Mais quand la nuit arrive, je retourne dans la rue. Lorsque je suis né dans la rue, oh oui, je suis né dans la rue. Que je t'aime. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes pour exprimer ce qu'est le blues. Gabriel, tu brûles mon esprit, ton amour étrange ma vie. Et l'enfer deviens comme un espoir, car dans tes mains je meurs chaque soir. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. J'ai oublié de vivre. J'ai oublié de vivre. Elle m'oublie. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ces mots à Laura. Y a tant d'hommes, je ne suis pas. Y a tant de femmes. Je ne te dirai pas. Allumez le feu et faire danser les câbles et les yeux. Allumez le feu et voir grandir la flamme de vos yeux. Allumez le feu. Johnny Hallyday. T'en connaissais pas, toi? Non. Alors maintenant, Johnny, comme c'est la première fois que je te reçois, je vais te faire une interview première fois. Alors Johnny, ton premier nom, tout le monde croit que c'est Smet. En fait, c'est Claire, comme Julien. C'est le nom de ta mère, parce que ton père était assez volage. Il a... Attends, moi j'ai Claude Moine. Non. Il y a des stagiaires qui vont se faire virer, je te le dis. Non, c'est vrai, ton père était quelqu'un d'assez volage, pas tellement fait pour la vie de famille. Hein. Et quelques jours après ta naissance, il a vendu les meubles, il a vendu même la layette. 10 jours après la naissance. Il grandit vite. Hein. Hein, et 8 mois plus tard, il a quitté le domicile conjugal. Et donc, ta mère s'est retrouvée comme ça, toute seule. Et elle l'a retrouvée un an après. Elle l'a obligée à l'épouser. Mais ton vrai nom, ton vrai premier nom, c'est Claire. C'était Huguette Claire. Jusqu'au mariage, oui. Ouais. Jusqu'au mariage de ma mère, c'était Claire. Claire, ouais. Qui était mannequin, ouais, chez Fat. Oui. Une très jolie femme. Et qui vit toujours. Ouais. Mais elle doit être fière, non, quand même. Elle est... Je crois qu'elle est fière. T'as bien réussi, quand même, quoi qu'on en dise. C'est vrai que c'est un peu un voyou, mais bon. Être la maman de Johnny, elle doit être fière. Bon, je vais donner du tracas. Ouais. Oui, mais bon. Fait faire bien du souci.
Alors, ce père, Léon Smet, donc Johnny, vous le reverrez 20 ans plus tard. Vous avez 21 ans, vous faites votre service militaire en Allemagne. Et un jour, il y a un mec qui vous dit, il faut aller à l'entrée de la caserne. Donc, vous y allez, c'est un ordre, vous y allez. Et à ce moment-là, vous voyez un type qui se jette sur vous en disant, Johnny, mon fils, et en vous mettant un ours en peluche dans les bras. Et c'était votre père. Ouais. Et quelques années plus tard, vous apprendrez qu'en fait, c'était un coup qu'il avait monté avec les paparazzi. Oui, mais enfin, bon, ça, c'est le passé. Ouais. Et je préfère pas trop parler de ça, quoi. Parce ouais. Mais vous l'avez vachement aidé après, quand même, votre père, non ? Oui, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était pas toujours facile, parce que j'avais pris un appartement, et puis je reçois des coups de téléphone dans la nuit, comme quoi il avait mis le feu dans l'appartement. C'est de famille ? Oui, enfin, non. Oui, ben... Excuse-moi, je... Non, mais c'est vrai, Non, j'ai essayé beaucoup de choses, et puis à un moment donné, j'ai baissé les bras, quoi. Un message pour dire que tu me piques mes vannes, et que c'est pas très fair-play. Non, c'est vrai, quand vous lui achetez des costumes Cerruti, il allait les revendre. Quand vous lui louiez un appartement, il mettait le feu, effectivement. Donc c'était assez désespérant, finalement. Il préférait rester comme il était. Alors, au bout d'un moment, j'ai baissé les bras, et puis j'ai laissé faire ce qui est ça, la vie qu'il voulait avoir. Ouais. Reggiani vous a parlé de lui une fois. Jour, je rencontre Reggiani qui me dit, tu sais, je sais que t'as eu une mauvaise impression de ton père, mais moi, j'allais prendre des cours tous les week-ends à Bruxelles chez lui. C'était un professeur d'art dramatique extraordinaire. Ouais. Et puis un jour, vous allez à l'enterrement de ce père un petit peu inconnu, d'une certaine façon, à Schaerbeek, en Belgique. C'est vrai, ce qui m'a attristé, ce qui m'a d'abord étonné, mais surtout attristé, c'est que j'étais tout seul. Ouais. Il n'y avait personne. Ouais. C'est bien la première fois où tu étais tout seul. Oui, mais c'était pas gay. Ouais. Alors cette histoire vous a un petit peu déboussolé, hein, d'une certaine façon. Cette envie que vous avez eue après de créer une famille et de ne pas y arriver, c'est peut-être dû à ça, finalement, sans faire de la psychanalyse à deux balles. C'est peut-être ça l'histoire, non ? Il faut d'abord, avant de créer une famille, il faut tomber sur la bonne personne. Ouais. J'étais jamais tombé sur la bonne personne. Et cette fois-ci, je crois que je suis bien tombé. Ouais, ça a l'air. J'ai tombé sur une femme extraordinaire, avec qui je suis très heureux. Et ben, il était temps, hein, parce que... Première guitare. Quel âge ? Je vais avoir 12 ans. Ouais. Vous étiez à Rome avec vos cousins, Desta et Eli, et vous avez à ce moment-là rencontré un guitariste de flamenco. Ouais, il faisait une tournée théâtrale à cette époque-là où il y avait comme ça des tas de numéros de musical. Ouais. Il y avait des gitans, il y avait des acrobates. Bon. Et il y avait dans la troupe des gitans, il y avait un guitariste de flamenco qui m'a appris à jouer un peu de guitare et la rota. Et plein de choses, oui. Et ça m'a vraiment plu. Et ensuite, on m'a acheté une guitare, donc avec des cordes. À cordes classiques, à cordes de nylon. Premier rôle aussi. À quand le retour au flamenco, le... Johnny ? Bientôt. Bientôt. Premier rôle au cinéma, 1954, vous vous souvenez, Diabolique. Il y avait une petite annonce dans France Soir, et comme il n'y avait pas de blé à la maison, votre tante vous avait emmené là-bas. J'avais passé un casting, on avait pris, dans la classe d'enfants, mais c'était la figuration, c'était pas un rôle. Ouais. J'avais deux phrases à dire qui a été coupée, donc ça devait pas être très bon. Mais on vous voit dans le film, vous lavez les dents, vous savez ça. Oui, je sais. Ouais. Alors, premier cachet de Johnny Hallyday en 1955 à Hanovre. Premier cachet, c'est un Coca-Cola. Vous aviez chanté David Croquette sur scène. Tu te souviens de cette chanson, David Croquette ? David Croquette, l'homme qui n'a jamais peur. Hein ? J'ai chanté en duo avec Johnny. j'ai fait mon premier duo. Ouais. Mais vous êtes monté très très tôt sur les planches, là. Enfin, c'est ce qu'on découvre. Mais c'est normal, parce que j'ai été élevé par une famille d'artistes qui voyageait beaucoup, qui faisait beaucoup de musicals, beaucoup de cabarets. Donc... je voyais pas, très honnêtement, je me voyais pas comptable plus tard, je me voyais plutôt artiste. Bon. Mais ça doit quand même perturber, ça, d'être sur scène aussitôt, non ? Non, c'est, comme j'en ai fait mon métier, c'est plutôt une chance, parce que j'ai eu le temps d'apprendre avant d'être connu. Ouais. Maintenant, ce que je reproche un petit peu, c'est qu'on lance des gens, on essaye de leur apprendre à danser, à chanter en 4 mois, et on les lance comme des stars. Ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas eu la, comment dire... La formation ?
La formation... Merci Jeannine. Merci beaucoup. Hein. Merci ma fille. Jeannine, de Strasbourg. Pour aller sur une scène et d'être lancé comme star, il faut apprendre son métier avant. Et on ne leur laisse pas le temps d'apprendre. Alors effectivement, quand on les voit sur scène la première fois, les gens peuvent être peut-être déçus. Ce n'est pas que le fait de chanter qui est important, c'est le fait de savoir aller et sortir d'une scène de savoir bouger sur une scène. En fait, t'es un forain, quoi. Je suis un, oui, en quelque sorte, oui. C'est pas péjoratif, hein. Non, non, bah, pas du tout, j'adore les forains, C'est un forain. Alors, première bagarre, c'était avec la bande de la Trinité, non, j'imagine. Il y avait Dutronc, il y avait Long Chris, il y avait Eddie Mitchell. C'est vrai que vous preniez des dérouillés par les mecs de la bande du Sacré-Cœur ou la bande de la Bastille? Ouais, ils étaient plus nombreux que nous. Ouais. Vous étiez combien, vous? Oh, nous, on était une vingtaine. Ouais. Et ils étaient 200. J'étais plié, oui. Votre première petite amie, vous en souvenez? Ma première petite amie... Moi, j'ai dit Cleavers, mais maintenant, je me méfie à mort. Hein. On va voir s'il s'en souvient. Elle vous regarde, là, elle est là. Ma première petite amie, c'est Claude Péchat. Bravo! Ah! Elle habitait à Bécon-les-Bruyères. Voilà. Et Johnny l'a ramenée en train, puisqu'à l'époque, vous n'aviez pas encore de voiture. Alors, votre première idole, c'est Brassens. C'est vrai, c'était le père Brassens. Que vous auriez voulu avoir, Brassens, avec les grosses moustaches, la veste en velours. Il était rassurant, je trouve. Ouais. Il était rassurant. Ouais. Parlez de Brel aussi, c'était une de vos premières idoles, et vous dites, s'il avait fait du rock, il nous aurait tous enterrés. C'est vrai, parce qu'il chante avec sa poésie, il l'interprétait sur scène, avec l'énergie et le désespoir, d'un rocker. Enfin, je ne connais pas d'autre chanteur que Brel, qui transpirait autant. Ouais, qui vomissait avant de rentrer sur scène. Oh non, mais tous les rockers ne vomissent pas avant. Hein. Ouais. Ils vomissent après. Mais qui transpirait, qui zonnait, qui se transpirait autant qu'un chanteur de rock. C'est vrai. Première boîte où t'es sorti. Où t'es rentré déjà. Ouais. Première boîte où je suis sorti. Alors là. Je sais pas, j'en ai fait beaucoup. Hein. La première, à l'époque de la bande de la Trinité, j'imagine, non? Ah, le Golf Draw. Ah, Golf Draw, ouais, c'est ça. Première boîte comme propriétaire, c'est... C'est 2003. Et voilà, 2003. Ouais. Il aura fallu attendre 2003 pour que Johnny Hallyday ait sa boîte à lui. Ouais, mais ça a une histoire, cette boîte que j'ai montée, là. On va en parler en rallume. Ouais. En fait... Cette boîte, c'est une histoire de cœur, en fait. Absolument. J'ai rencontré Laetitia, il y a 9 ans, à Miami. Ouais. Et c'est drôle, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, Jean Rock travaillait pour André Boudou. Ouais. Qui est le père de Laetitia. Le père de Laetitia, oui. Et il me téléphone, j'étais à l'hôtel, il me téléphone, je devais partir le lendemain, il me téléphone, il me disait « Qu'est-ce que tu fais ce soir ?» Je dis « Rien ». Je connais pas Miami, il me dit si tu veux, on dîne ensemble. Je lui dis d'accord. Il arrive en voiture avec André Boudou, Laetitia et la femme d'André. Et on va dîner, après on va à l'amnésia de Miami. De Miami. Et puis la soirée se passe, on va dans d'autres boîtes, et bon, on rentre tard. Et puis le lendemain, je revois Laetitia, et puis je rentre sur Paris. Et donc je rentre sur Paris, on a continué à se téléphoner, etc. Et puis un mois après, Laetitia, je l'ai invitée, elle est venue à Paris. Elle devait rester une semaine et puis elle n'est jamais repartie. Elle avait un billet aller-retour. Oui, mais il n'a jamais servi le billet. Ouais. Et on demande si tu t'es fait rembourser. Donc là, j'ai voulu faire par rapport à l'endroit où je l'avais rencontré, voulu faire la boîte de nuit à Paris. Bien, alors Johnny, comme maintenant tu es patron de boîte de nuit, on va faire une interview boîte de nuit. Alors c'est à base de questionnaires de poules, c'est comme dans les boîtes. Johnny Hallyday, quel est pour vous le comble de la misère? Vive chez les autres. C'est pas eu la bête en orange, hein, ça fait 20 minutes que ça arrive. Johnny, où aimerais-tu vivre? En Corse. Pour quelle faute as-tu le plus d'indulgence? La faiblesse. Quel est ton personnage historique favori? Robin des Bois. Ah ouais. Quelle est ta qualité préférée chez l'homme? L'humour. Et chez la femme?
La tendresse. Ah. Qui aurais-tu aimé être si t'étais pas Johnny Hallyday? Jean Gabin. Ah. Quel est ton principal défaut? Je suis têtu. Quel est le don de la nature que tu n'as pas et que tu voudrais avoir? Jean Gabin. Je voudrais en avoir une de 30 cm. Ce que tu détestes par-dessus tout. Les pédophiles. Comment aimerais-tu mourir? Vite. Quel est l'état présent de ton esprit? Super bien, je suis ici avec toi. Très bien. Est-ce que tu as une devise? Vivre et laisser vivre. Bravo, merci, on rallume. Merci Johnny. Alors beaucoup d'emails de gens qui savaient que tu étais là ce soir. Je leur donne pas mon email. Hein. Non, mais en tous les cas, il y a des questions. Est-ce que ça... Le portable peut-être juste. On peut dire que ça commence par 06. Ouais. Oui. On s'arrête là. Hein. Ensuite, non. Mais... Donne 4 chiffres, Johnny. Donne les deux autres. Donne 4 chiffres. Allez, 11. Allez, 11. Allez, après, ouais. Hop, à vous de trouver. Johnny, est-ce que ça vous a aidé d'être le père de David Hallyday pour faire ce métier? Mais c'est jamais facile pour un père de réussir dans l'ombre de son fils. Ouais. Ouais. Johnny, quel est votre meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir. Souvenir. Baden, non? David et Laura. Ouais. Voici David Hallyday. Salut, salut Thierry, salut Laurent. Je crois qu'il y a un rapport avec Johnny Hallyday, je ne sais plus où j'ai mis ça. C'est l'autre dossier. On va retrouver. Te gourre pas Lolo. Nouvelle femme, nouvel enfant, tout est nouveau. Tout neuf. Tout neuf. Hein? Votre nouvelle femme Alexandra, vous l'avez rencontrée il y a un peu plus de 2 ans. Ouais. C'est vrai. Elle est comment? C'est qui la voyeur? Elle est terrible. Elle est terrible? Ouais, sympa, très sympa. Ouais. Ouais. Très sympa. Quand vous l'avez elle est terrible sympa. Ou elle est sympa? C'est pas pareil. Elle est terrible et elle sympa. Est terriblement sympathique. Et ouais, aussi, ouais, ouais. Un petit peu tout ça, ouais. Vous avez déclaré à son sujet, quand je l'ai vue, j'étais sûr à 1000% que c'était elle. Et il a dit pareil pour la première. Hein. Et c'est comme le dernier album, c'est toujours le meilleur, voilà. Quelque part. C'est la femme de ma vie, ouais. J'ai la boule à l'estomac, enfin ça y est, c'est love at first sight, quoi. Yes. Ouais. J'ai la boule à l'estomac. La boule à... C'est ça, la boule à l'estomac. Quand tu vois une femme dont... Tu es très amoureux, tu as la boule à l'estomac. Tu sais ça pas, se trouve, ça c'est une gastro et toi, tu es épouse. Non, c'est vrai. Il y a un autre truc. Il y a un autre truc quand tu rencontres comme ça quelqu'un dont tu vas être très très amoureux, et ça l'a fait à David avec Alexandra. Oui, je sais ce que c'est. Non, c'est pas ce que tu crois du tout. Non. C'est que l'impression de la connaître depuis toujours. Ah, voilà. C'est génial quand ça vous l'a fait, ça aussi. Hein. Ouais, ça me l'a fait. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bonjour. C'est vrai en que même temps, c'est... t'es fidèle. Hein. Elle commence pas, toi. Tu branches la mère. Méline, reviens. En tous les cas, c'est une bonne pioche, hein, cette Alexandra. C'est Alexandra Pastor, elle a 24 ans. Elle est jolie, elle est riche. Ah, ce qui ne gâche rien. Ce qui ne gâche rien, parce que c'est la fille de Michel Pastor, qui est l'un des hommes d'affaires les plus importants de la principauté de Monaco. Hein, ce qui n'appartient pas au prince, lui appartient à lui, non, à peu près, non? Tu dois être bien informé. Il a un institut à son nom, c'est pas n'importe qui. L'institut Pasteur, c'est très connu, non? Non, mais elle est très riche. C'est pas elle proche, hein? Elle a du blé. Elle non, mais sa famille, ouais. Ouais. Mais elle choure un peu dans le sac de sa mère, un peu. Non, je vais te dire, Laurent. Elle a une petite maison de couture avec une boutique styliste, à Monaco, une boutique à Cannes, une boutique à Paris. Et voilà, quoi, ça va, quoi. Ah, ça va. On ça peut va, l'appeler, peut-être. T'as son je crois portable pas, non. C'est bien marrant. Non. Un mec qui n'a pas le portable de sa femme, ouais, c'est quand même très étonnant. C'est bizarre. C'est dingue. Hein. C'est qu'il rare. Pour deux surtout ce soir. Ouais. Mmh. Tu sais ce qu'elle fait, là? Non, pas du tout, non. Ah oui, tu lui fais confiance? Ouais.
Ouais, je suis ce genre de mec, moi, je fais confiance. Ouais. Alors, c'est le début en même temps. Ouais, tu sais, toujours au début, on fait confiance. Quoi. Toujours après que ça se gâte un peu. Alors, il y a eu donc le grand mariage, ça a été le grand mariage de l'été, le 3 juin. Auquel nous n'étions pas invités ni toi ni moi, rappelons-le. Non, il faut dire la vérité, on n'y était pas. Non. Le 3 juin, donc, toute la famille était là, sauf Laetitia, votre belle-mère. C'est vrai. Ouais. C'est un peu dommage. J'avais remarqué aussi. Ouais, c'est dommage, bien sûr que c'est dommage. Ouais. Ouais. Bah, t'as envie que toute la famille soit là et tout, c'est vrai que... apparemment, à ce moment-là, il y avait des petits soucis, donc... Mais je pense que tout le monde le sait, puisqu'ils l'ont annoncé, donc c'était... La grossesse difficile. Ouais, voilà, exactement. Mais vous, c'est quand même pas le grand amour avec votre belle-mère. Qui ça, moi? Pourquoi? Non, pas du tout. Non? Non, on est tous... pourquoi vous dites ça? Il aime bien foutre la merde. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Ça fait plaisir que tu lui dises oui. Briseur de ménage, briseur de famille. Non, pas du tout, non. Pourquoi? Non. Non, je sais pas, ça va bien? Non, ça va très bien. Dis-lui que ça va très mal, il va te foutre la peur. D'accord. Tout va bien. On s'entend tous bien, on a de la chance d'être une famille. Bien que, si tu veux, un petit peu séparés par la vie, si tu veux, on est tous assez unis finalement. Donc, Vous n'étiez pas très favorable, David, à l'idée de voir votre père s'engager dans cette aventure de l'amnésia? Bah, c'est vrai que j'ai toujours tendance à dire qu'il faut aller dans des métiers qu'on connaît, et c'est vrai que même si on sort une fois de temps en temps pour faire la bringue, c'est vrai que c'est le métier de la nuit, c'est pas un métier qu'on connaît. Donc il m'a, c'est vrai qu'à ce moment-là, il a demandé mon avis, je lui ai donné, je lui ai dit, écoute, si c'était moi, j'irais pas, quoi, parce qu'on connaît pas, tout simplement, quoi. Oui, on peut sortir beaucoup sans obligatoirement connaître. Ouais, exactement. Ouais. C'est pas du tout la même chose. Alors, vous êtes exprimé aussi récemment sur l'affaire de viol dont votre père est accusé. Vous dites que ça devient comme aux États-Unis, finalement. Ah, c'est hallucinant, ouais. Ouais. C'est-à-dire, comme les gens voient qu'il y a du pognon à prendre, tout le monde attaque tout le monde, quoi. Ben ouais, je pense qu'on vit dans une société un petit peu comme ça, où on a l'impression que tout est super facile, donc on se dit, bon, l'argent facile, tout ça, bon, on va attaquer, puis ça mangera pas de pain, quoi. Ouais, c'est grotesque, quoi. L'affaire contre Universal. L'affaire Universal. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense de ça? Ben écoute, je pense que à partir du moment où on lit un contrat et qu'on trouve qu'il y a des erreurs ou des choses, je pense qu'on réagit, je pense que c'est ce qu'il a fait. Maintenant, c'est mon père, et puis je le soutiendrai de toute manière dans tout ce qu'il fait. Maintenant, c'est vrai qu'on m'a souvent posé, et toi. Moi, c'est vrai, j'ai de la chance, moi, j'ai pas pour l'instant de soucis avec eux, tout se passe super bien. Ouais. Ça fait 18 ans que je suis dans le groupe, et ils m'ont toujours soutenu. Moi, vous pensez qu'il a pris la bonne décision? J'espère qu'il est, en tout cas, qu'il a pris. En tout cas, je pense que c'est quelque chose d'honnête et de légitime, quoi. Il a vu quelque chose qui lui plaisait pas, il s'est dit, bon, ben, je vais essayer de remédier à ça. David Hallyday, vous n'échapperez pas à une interview fils d'eux. David Hallyday, est-ce que comme Guillaume Depardieu, il vous est arrivé de détester votre père? Non, jamais. Est-ce que comme Harry Boulogne, vous vous êtes déjà demandé qui était vraiment votre père? Oui, ça m'est arrivé, oui. Encore aujourd'hui, des fois, ça dépend des moments. Ouais. Est-ce que comme Jésus, vous êtes arrivé de vous prendre pour le fils de Dieu? Non. Non. Est-ce que comme Laura Smet, vous avez eu envie de prendre un autre nom? Oui. Vous devez vous appeler David Smet à un moment? Non, mais je me suis... En fait, c'est un truc qui m'a toujours suivi depuis que je suis né, en fait. Ouais. J'ai découvert qu'on m'avait appelé David Hallyday dès que je suis né, ça m'a suivi toujours. Ouais. Est-ce que comme Michael Douglas, vous avez l'impression d'avoir relevé le flambeau? Non. Est-ce que comme Emmanuel Béart, vous pensez que vous réussirez à faire oublier votre père? C'est vraiment pas une question que je me pose, quoi, mais la réponse serait si non, non. Non. Est-ce que comme Charlotte Gainsbourg, ça vous embêterait de ressembler à votre père en vieillissant? Putain. Encore une. Oh putain, Magnéto, Serge. Ça vous embêterait? De ressembler à mon père? Non, mais je pense qu'on se ressemble déjà. On a beaucoup de ressemblances, je pense. Vous êtes plus beau, vous. C'est vrai? Je ne sais pas. Beaucoup plus beau. Je ne sais pas, comme dites. Et c'est gentil, merci. Est-ce que, comme Claude Chirac, vous avez encore beaucoup d'ambition pour votre père? Ah, bien sûr. Ouais. Mais je pense qu'on ne cesse d'évoluer et puis de on n'a jamais fini le travail qu'on a commencé, de toute manière. Est-ce que, comme Antonine Delon, vous êtes rendu compte que le talent n'était pas héréditaire? Mais le talent n'est pas héréditaire. J'aime bien Anthony, c'est un mec sympa. Ouais, moi aussi. Ouais. Oui, bah dis donc, qu'est-ce que ce serait? Là, il a du cul, parce que si tu ne l'aimais pas... Est-ce que, comme Paul Belmondo, vous avez déjà fait honte à votre père au volant d'une voiture de course? Non.
Est-ce que, comme Salomé Lelouch, vous pensez que votre beau-père était mieux que votre père? Différent. Ouais. Différent, ouais. Différent. C'est bien d'avoir des beaux-parents différents, je trouve. Ils apprennent des trucs différents, c'est plutôt pas mal. Est-ce que, comme Kéra Mastroianni, vous n'osez pas dire à votre mère de prendre sa retraite? Jamais, jamais. Jamais, parce qu'on n'arrête pas les passions, et tant qu'on est passionné, ça passe, quoi, ça passe bien. Est-ce que, comme Claude-François Junior, vous avez déjà pensé à faire fils de votre père comme métier? Ouais, c'est pas facile, hein. Ouais. Pas facile. Non, non. Ça a déjà été assez compliqué d'être moi, donc... Est-ce que, comme Julie Depardieu, votre père vous a déjà embrassé en public? Ouais. Oui, mais oui, bien sûr. Ça vous a gêné? Oui. Il avait mis la langue aussi. Hein. J'accueille Brad Pitt, Jerry Weintraub, Matt Damon et Don Cheadle. Bonjour, nice to meet you. Hello. Hi. Where is George? George is not feeling well. George ne sent pas très bien. Il voulait venir, mais. He's in California. Il est en Californie. Taking care of his back. Il est en train de soigner son dos. Il y a des médecins qui s'occupent de lui. Mais il ira bien d'ici une semaine. Enfin, on espère en tout cas. À Paris, il avait peur de rencontrer Céline Balitran. Vous pensez, non? Rencontrer qui? Wow. Vous restez combien de temps à Paris? We're staying in Paris another day. Yeah. Une journée encore. On reste encore un jour. Vous avez fait Pigalle déjà? We went to a wonderful restaurant. On est allé dans un resto génial hier soir. I don't know how you pronounce it. Je sais même pas comment ça se prononce. Vous savez, vous? L'ami Louis. L'ami Louis. Ah bah oui, c'est. Vous avez prévu quelque chose ce soir? You want sex for tonight? Sex? Wow, are you awesome? Are you the broker? C'est une proposition? You want? I'm married. It's a pity. I didn't know you could just get that. Je savais pas qu'on pouvait avoir des proxénètes comme ça facilement. Est-ce que vous avez prévu un rendez-vous avec Nicolas Sarkozy? Non. Non. Parce que Tom Cruise, quand il est venu à Paris la dernière fois, il est allé voir Nicolas Sarkozy pour défendre sa secte de Scientologie. We're all in Kabbalah. When I Non, non, nous on n'est pas dans la Scientologie du tout. Nous on a des bracelets rouges, on est dans la cabane. You see the movie tonight, you see vous verrez le film ce soir, vous verrez. Steven Soderbergh got us all into Steven Soderbergh nous a tous introduit à la cabane. He's very involved with Madonna. Lui, c'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Madonna, il adore, il est fan de Madonna. Yeah. Vous savez que vous pouvez rester à Paris tant que George Bush est président des États-Unis, si vous voulez. On peut vous offrir l'asile politique. Alors, yes, you want to stay? Alors, vous allez passer une journée ici dans cet hôtel à répondre aux mêmes questions des journalistes français. Est-ce que c'est pas fatigant finalement ces press junkets? Non, en fait, ce qu'on fait ici, la façon dont on travaille ici tous ensemble, en fait, on s'amuse bien, on se marre. Ouais. C'est vrai que finalement, le temps passe vraiment vite. Bah, c'est vrai dire, c'est la première, vous êtes la première personne à nous demander si on voulait du sexe. Personne ne nous a fait cette offre. Vos questions sont un petit peu plus originales. Bon, ben ça va alors, ça me rassure. En tous les cas, pendant l'interview, si vous voulez faire un petit break, si vous voulez vous dégourdir les jambes, boire un verre... Coffee. Alors, vous êtes ici pour la sortie de Ocean's 12. Quand vous avez reçu le scénario, Brad, tout de suite, vous avez eu envie de faire le film, immédiatement? Not really, but Jerry threatened. Pas vraiment, mais enfin, Jerry a menacé de me traiter dans les tribunaux. Donc, sur le plan contractuel, je ne pouvais pas échapper à cette corvée. Et tu as baissé ton prix pour la suite? Est-ce que c'est vrai que tu te brades, Pete? No, it's impossible to translate that, Laurent. I don't speak English. That's what I got. The translator is getting mad right now. Yeah. It's impossible but I'm to not, translate. He's not getting sued. No one tries. So. Là, vous demandez au scénariste de diviser l'escroc américain par 11, puisque au départ, c'était deux voleurs, simplement. Yes, that's correct. Oui, c'est exact. Correct.
Pour que ça fonctionne pour nous, justement. Voilà. Voilà. Brad got coffee. Brad a eu du café, évidemment. C'est toujours Brad qu'on donne du café. Et aux amis de Brad, ils n'ont pas droit du café. Laissez tomber, non, c'est bon, allez, laissez tomber. You want something? Sex? Non, ça va, merci. Sex. Non, non, du sexe. C'est quoi ces histoires de sexe? Deux sexes. C'est Paris. Ça, c'est Paris. Ah, c'est vrai, on est à Paris, évidemment. Eh oui. God bless you. En tous les cas, il semble que les acteurs se soient bien amusés ensemble. Est-ce que vous pouvez nous raconter, Brad, cette note de service que vous avez dictée au sujet de George Clooney et ensuite il s'est vengé? Well, the story goes. Non, voilà l'histoire. The story goes that, on dit que quelqu'un avait transmis une note à l'équipe italienne disant qu'elle venait de George Clooney et qu'il demandait à l'équipe de s'adresser à lui en l'appelant Monsieur Daniel Océan pendant tout le tournage sur l'écran et ailleurs. Et merci de coopération pour que le personnage puisse retrouver, plutôt pour que l'acteur puisse trouver le personnage. Bon tournage. Alors, quelqu'un aurait diffusé donc cette note. Alors, la vérité, c'est George, il se prend vraiment pour une diva en ce moment. Bon, on l'a perdu, c'est-à-dire que George, il était parti. Il se prenait pour Danny Ocean. Non, mais ce qui s'est passé, qui est incroyable, c'est donc, Brad fait passer une note en disant, Clooney, il faut l'appeler Ocean, parce que sinon il se vexe, puis il faut vraiment être très déférent avec lui. Et ensuite, de retour à Los Angeles, George Clooney s'est vengé de Brad Pitt en mettant un autocollant sur votre voiture. Alors, il y en avait deux d'autocollants. Le premier, c'était « Je suis gay et je vote », mais le deuxième, c'était… « Which is true ». Which is true. Le deuxième, c'était « Petit pénis à bord »,« Small penis on board ». Which is true. Ce qui est vrai également. I didn't really catch the joke. Je n'ai pas compris la blague, d'ailleurs. Je ne voyais pas… I didn't find… C'était pas particulièrement drôle. Alors, lequel a fait le plus de conneries? Most of us were spending, putting most of our energy into just kind of. Vous savez, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de se concentrer sur le fait qu'il faut aider George, parce que en fait, il est tombé de la falaise, il est tombé dans le gouffre dans le fait qu'il essaye de s'approprier le personnage de Danny, et donc on lui lance une bouée de sauvetage pour essayer de le ramener. Deep in the ocean, tu te souviens quand il disait ça? Deep in the ocean, profondément dans l'océan. Deep in the ocean, il répétait ça. C'est vrai. Et il croit vraiment qu'il est le mari de Julia Roberts? Il fallait bien qu'il y croie, oui, bien sûr. Il l'appelle Tess. Il l'appelle Tess, oui. C'est bizarre, c'est vraiment drôle. Non, mais il y a toute une équipe de psychologues qui sont en train de s'occuper de lui maintenant, 24 heures sur 24. Mais bon, ça ira. Non, ça pose problème. Sur le tournage, qui avait le plus grand carloge? Jerry. As it should be. Et c'est comme ça que ça doit être. Hein. Lequel a été le plus payé sur le tournage? Jerry. Ah, lequel a été le plus radin? Not a stingy one. Non, non, well, il n'y en a pas un seul qui est radin. Mais bon, s'il faut choisir quelqu'un, ce serait George. Si vraiment il fallait qu'on donne un nom, ce serait George quand même. C'est vrai qu'il vous a fait payer la location de sa villa au lac de Côme? Non. C'est un drôle, le truc. Non, il nous a donné une facture, mais on ne l'a pas réglé. Il a essayé quand même. Il a essayé. Il était un amazing host. Il nous a accueillis merveilleusement, belle villa, superbe cuisine. Et puis deux semaines plus tard, on reçoit la facture. Mais on l'a pas payé. Un peu mal poli, je trouvais. Alors, quand vous étiez en Europe, lequel avait le plus de succès dans la rue? My wife said me. Ma femme m'a dit que c'était moi. Lequel a trompé sa femme pendant le tournage? Jeez, what are we, France? Ça, non, mais c'est quoi? On est en France? That's France. Est-ce qu'aux États-Unis, sucer, c'est tromper? Ah oui. How come none of your things translate? Lécher le pénis de sa femme? En Amérique, tu sais, c'est trompé. C'est marrant, les techniques. Feinberg dit que si on lit la Bible, c'est pas dans la Bible, et donc c'est pas trompé. C'est marrant, les différences de culture entre un continent et un autre. En France, c'est pas trompé, non? Et chez vous, c'est trompé?
Pourquoi vous ne vivez pas en France? Non. C'est pas trompé. Moi, j'ai épousé une Française. You're a lucky guy, Jerry. Lucky guy. Well, a blowjob might not be cheating on your wife, but it really hurts my mouth. Ça fait mal aux dents, oui. Ça fait mal à la bouche. That's a good point. C'est pas faux du tout, ça. That's a good point. Pas faux du tout. Lequel s'est fait draguer par des mecs pendant le tournage? George. And he let them catch him. Et il les a laissé faire. Lequel n'avait pas lu le scénario avant le tournage? Aucun d'entre nous, personne l'a lu. They still haven't read it. Ils l'ont toujours pas lu d'ailleurs. Lequel est d'accord pour faire Ocean's 13? I think everybody would. Je pense que tout le monde serait d'accord pour faire Ocean's 13. 14. C'est la décision reviendra à Steven Soderbergh. S'il veut le faire, bah oui, tout le monde reviendra, c'est sûr. D'accord. Mais s'il veut pas, eh bien le film ne se fera pas. On voulait, à vrai dire, faire une version porno et ce serait Ocean's 30 cm avec George Clooney en superstar. Non, mais ça n'a pas été fait encore. Vous devenez français, Don. You're becoming French, Don. Be careful. Mais ça, c'est quelque chose, ça vient d'arriver, là, pendant l'émission, je sais pas, je le sens bien, là. You look French now. Je ne sais quoi, ici, je le sens bien. Brad, Matt et Don, vous êtes ce qu'on appelle des stars d'Hollywood. Est-ce que le fait d'être une star d'Hollywood, ça aide avec les filles? And guys, I found. Et avec les gars. And guys. Yeah, avec les filles. Both sexes. Oui, les deux sexes, ça marche dans les... C'est un aphrodisiaque. Ouais, c'est un aphrodisiaque, hein. Ça rapporte beaucoup. You have money, no? Money? Yeah, yeah. I got là, money. Là, l'argent sur moi, oui. Mais je crois que j'ai encore, je sais pas. Non, lui, il a $1. Ah, ils ont un peu d'argent, quand même. Ah oui, lui, il est très riche, regarde Brad Pitt. Brad Pitt est très riche. Il faut faire quoi comme étude pour être star d'Hollywood? Finances. Finance, oui, bonne réponse. Oui. Mais alors, quand on est une star d'Hollywood, est-ce que c'est vrai qu'on peut exiger un jet privé pour rentrer dîner le soir à la maison? You can ask. Tu peux demander, hein, mais enfin, c'est pas sûr qu'on l'aura. On peut refuser d'assister aux cérémonies des Oscars parce qu'on a un truc mieux à faire ce jour-là? You can try, but you'll get killed. Yeah, that'll hurt. ça serait pas George fait. Said that's how he's George gonna rock a dit this que c'est pour ça qu'il a si sérieux problèmes. Ouais. Alors, ceci étant, on peut être une star d'Hollywood et malgré tout, on n'en est pas moins homme. Est-ce que quand on est une star d'Hollywood, il arrive que quand on est sur la plage, on rentre le ventre? Quoi, rentrer le ventre? You ouais. Do it? Ah, je vois. You do it? Sure, yes, of course. Bah, évidemment, oui. Don? Évidemment. Oui, aussi. C'est Jerry. Un homme. I've just been allowed back on the beach. Moi, on vient de m'autoriser à retourner sur la plage. Enfin, l'interdiction a été levée, donc c'est bon, je peux y retourner maintenant. Jerry, je ne vous demande pas à vous si vous rentrez le ventre quand vous allez sur la plage, parce que vous n'avez pas de ventre. Non. Vous savez, les producteurs, ils ont les droits. C'est vrai. Les cigares et le ventre, on a le droit. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous commencez à perdre vos cheveux, non? Non. 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 Matt? Mine's gone. Non. Moi, c'est parti. Vous n'êtes pas une star d'Hollywood, vous êtes un brutal. Est-ce que le matin, quand vous vous réveillez, des fois, vous avez vraiment une haleine de poney? Comme nous? I can't smell it, personally. Moi, je ne la sens pas. Hein, now, this morning, I woke up with Don. Matin, je me suis réveillé avec Don. Don, lui, il avait une mauvaise haleine. Yeah, I can't help that. Vous faites vos courses le week-end? No. You get everything. En fait, given to you. It's tout vous est donné. C'est vraiment bizarre, c'est le paradoxe d'ailleurs, parce qu'une fois que vous êtes arrivé à un point où vous pouvez vous permettre de vous acheter tout ce que vous voulez, finalement tout est gratuit. Ça, c'est vrai. Il n'y a pas un vêtement que je porte et que j'ai acheté. Est-ce que des fois quand même, vous regardez le foot à la télé en buvant de la bière comme nous? Sure, c'est vrai. Évidemment. Est-ce qu'il vous arrive de pisser dans le lavabo? I didn't get that way. I don't want to. You don't want to. And now we dance. And now we dance. Alors Brad, vous avez été élu plusieurs fois l'homme le plus sexy du monde. Well, it is difficult wearing the crown. C'est vrai que c'est assez difficile de porter cette couronne. Mais enfin, George aussi, hein, vous savez, qui a été élu l'homme le plus sexy a le même problème. Alors en fait, puisque l'académie a été sympa avec nous, on essaie de le lui rendre. Alors on a ouvert une école pour les nouveaux sex symboles. Matt a fait une très bonne campagne cette année. Mais lui, en s'appliquant un peu, Jerry, et Matt, s'il se donnait un peu de mal, il aura le prix cette année, Matt, s'il fait l'effort. Quand on est l'homme le plus sexy de la planète, on est aussi l'homme le plus harcelé de la planète. Comment vous vivez ça, Brad?
Là encore, c'est du... parce qu'il faut se balader incognito avec, avec des déguisements. Il ne faut pas être pris dans une situation compromettante parce que sinon, évidemment, là, on perd son titre. Hein. C'est quand même assez difficile. Mais si jamais ça arrivait, par exemple, on verra comment Jude s'entend cette année. Hein. Si Jude tombe, eh bien Matt a une chance cette année. Moi, je me vois un peu comme un deuxième couteau, et, un remplaçant potentiel. Donc, si vraiment il perd son titre, moi, il n'y a pas de problème, je peux prendre la relève. C'est vrai que vous ne lisez jamais les tabloïds, vous ne lisez pas les articles qui vous concernent dans cette presse-là. C'est moi qui vends ces articles à la presse à scandale. Donc, j'ai gagné pas mal d'argent d'ailleurs en faisant ça avec Brad. Donc, ouais, on s'est bien marré. Ouais. Alors, Matt, vous avez cessé de fumer en seulement 3 séances d'hypnose après 16 ans de cigarettes. Est-ce que vous allez arriver à persuader Brad Pitt de le faire à son tour? Brad's the one who gave me the name. Brad, c'est lui qui m'a donné le nom de la personne qui m'a guéri, donc. Apparently he works really well. Apparemment, ça marche très bien sur lui. Alors, vous avez déclaré en parlant de Brad Pitt, si j'étais homosexuel, il serait en poster dans ma chambre. Vous êtes vraiment amoureux de lui? I don't think he said if. Vous n'avez pas peur, Matt, que cela rende jaloux votre ami Ben Affleck, non? En fait, c'était une référence au fait qu'on parlait de lui et moi qui étaient au lit. Et c'était pendant une interview et il nous a dit « Ah bah écoute, regarde, si on était vraiment gays, bah, tous les deux, on aurait une photo de prise avec Brad. » Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre de photos de Brad sur son mur à lui. Mais bon, je ne lui ai pas parlé récemment, donc je ne sais pas. Mais vous avez déclaré quand même, en parlant de Ben Affleck, que finalement vos histoires d'amour duraient jamais plus longtemps que 2 ans et demi et que vous vous verriez bien finir votre vie en compagnie de Ben Affleck. C'est vrai ça? Ou c'était juste parce que le magazine c'était Advocate? Non, si j'ai dit ça, là j'ai tout fait de Je ne nie rien. Je ne vois vraiment pas vieillir avec la vérité finit toujours par ressortir. Don, vous avez déclaré, je me sens frustré parce que la plupart des écrivains blancs ne font pas leurs recherches sur l'expérience noire. Les scénaristes écrivent pour des acteurs qui rapportent du fric. Et les acteurs qui rapportent du fric sont souvent des blancs, bien entendu. Vous souffrez de ça? Ouais. Watch what you say, man. Alors, qu'est-ce que tu dis? Intimidation. Vous voyez, déjà, il commence à m'intimider. I suffer from it. Non, c'est vrai que j'en souffre, mais Brad m'a montré comment accomplir ce rituel à Satan, et je crois que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors, en France, il y a un problème. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs noirs dans les films. Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner pour prendre la place qui leur revient dans la société française? C'est vrai qu'en France, vous avez une tradition de révolte, d'émeute. Je crois que si les Noirs se mettaient ensemble et détruisaient toute l'industrie, ce serait parfait. Non, je plaisante, hein. Je plaisante. Sérieusement, je dirais continuez, persévérez, n'acceptez pas qu'on vous refuse quoi que ce soit. Merci. Laurent, vous êtes au carré VIP. Oui, Thierry, je suis au carré VIP. C'est bien. J'aime bien ça. M'éclate. Avec qui êtes-vous, Laurent? Des gens que je ne connais pas. J'ai reconnu Annie Lemoine, qui est carrément en topless. Ouais. Et bon, là, les gens commencent à rire, mais sinon, c'est assez plombé. Les gens s'emmerdent grave, Thierry. Yeah. Mais Laurent, est-ce qu'au moins, vous pouvez leur demander s'ils ont envie d'aller voir ce film qui ressemble à Je crois qu'ici, Thierry, tout le monde a envie d'aller voir ce film. Bien. Non, il y a un côté Amélie Poulain dans ce film, c'est vrai. Et nous, il y a un côté Guy Lux et Citrone, un peu. C'est les recherchés, là. À gauche, il y a un député de droite. Si. C'est... On peut le dire. Quel est ton prénom? Nicolas. Nicolas, quel est ton nom de famille? Dupont-Aignan. Et tu es? Je suis député. Non, tu es? Un garçon. Comment? Il le dira tout à l'heure, il est pudique pour l'instant. C'est l'objet de notre débat tout à l'heure. Nicolas est conchiophile. Non, il adore les huîtres. Il collectionne les coquillages. Voilà. D'où te vient cette passion, Nico? C'est toi qui me l'avais appris il y a quelques années.
C'est aussi ça l'humour, hein, vous cognez avec Jacques. Oui, je me rappelle encore du temps où Jack Lang était très entouré. C'était un ministre très très connu, très aimé. Oui. Il est là, présent, seul, comme un pestiféré. Et j'espère que quand il sera président, il saura reconnaître les amis qu'il avait. Ceux qui Laurent, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Laurent, transmets-lui notre affection, fais-lui un gros poutou. Mais je vais lui transmettre bien des choses, Thierry. Fais-lui un bisou, Laurent. Tout à l'heure. Fais un bisou, Laurent. Coupez d'abord. Le bisou. Laurent, j'ai plus dit. Thierry, il y a un autre truc qui n'est pas bon ici. Oui. C'est le buffet. Alors, qu'est-ce qui se passe, Laurent? Tout le monde ici respecte l'abbé Pierre, mais de là à le prendre comme traiteur, on dit non. Je ne comprends pas ce que tu dis. Mais c'est Diane de France à côté de vous, Christophe. Oui. Mais on s'est vu, je lui ai piqué sa place dans l'avion. Ah oui, d'accord. Mais je lui ai rendu. J'ai pas lu ma fiche, c'est qui? C'est la fille, c'est la sœur du roi, Laurent. C'est la sœur de l'héritier du trône, Diane de France, la sœur d'Henri de France. Grosse fortune ou pas? Oh, pour l'instant, rien du tout. Laurent, il ne reste plus grand-chose, je veux dire. Il y a 50 ans, ils avaient 1 milliard de l'époque. Maintenant, ils ont 70 millions. Voilà, tu as tout le dos. Maintenant, à toi de voir ce que tu fais. On partage? Hein? Oh là là là, attendez. Non, mais c'est pas vrai, Laurent. C'est une princesse de France. Laurent. Mais qui a demandé l'antenne? Mais c'est non, c'est une famille royale. Et alors? Laurent, enfin. Ça se reproduit pas. Tu peux pas faire ça, Laurent. On n'a rien fait, Thierry. Qui a demandé l'antenne? C'est pas bien, tu n'as aucun respect pour cette vieille race capétienne, Laurent. Oh, tu m'as fait peur. Elle n'est pas si vieille que ça. Vieille race casse, trapézienne, il a dit. C'est pas gentil à vous. Laurent, reviens ici tout de suite. D'accord. Voici Diane de France. Bonsoir. Diane de France, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous avoir sur le plateau de bonsoir. Tout le monde en parle. Bonsoir. Bafi n'a pas été trop désagréable tout à l'heure, non? Non, personne n'est désagréable. Merci. Que vous. Si tu vois là, c'est bien de laisser une place entre vous deux. Josiane! Bien, alors Diane de France, princesse d'Orléans, duchesse de Württemberg. Stéphane Bern vous consacre un ouvrage publié chez Flammarion et qui s'intitule « Diane de France, la princesse rebelle ». Voilà. Donc nous avons en avec effet, nous. En effet, en effet. Pas la babouche. Bien, vous êtes né le dimanche de Pâques 1940 oui. Au Brésil, car votre père, le comte de Paris, devant la montée de la guerre, devant la montée des périls, avait envoyé toute la famille au Brésil pour la mettre à l'abri. Voilà. Et vous êtes né à Petrópolis exactement, à quelques 100 bornes de Rio de Janeiro, c'est ça, hein? Petrópolis, c'est dans la montagne. Ouais, oui, c'est ça. C'est un peu le Versailles brésilien. Hein. Oui, ça se peut. Il est un peu petit en comparaison de Versailles. Hein. Mais j'y suis allé, c'est très beau. Hein. C'est très joli. C'est tout magnifique. Est en rose. Voilà. C'est là qu'habitaient les empereurs du Brésil. Oui. Hein. Voilà. Alors, votre mère était là, donc déjà, hein, quand vous êtes arrivé. Et parce que votre mère était. Si elle m'attendait. J'ai l'impression que vous foutez de ma gueule, là. Ah, c'est d'habitude, c'est l'inverse. Ah, j'ai un petit mot. Vous dites, les copains, là. D'habitude, c'est l'inverse. Elle est bon. Super sympa. Elle est top. On en a eu des culs de portée, mais elle est formidable. Alors. Bon, donc, vous naissez à Petrópolis, oui. Dans le Versailles brésilien. J'espère que mes amis téléspectateurs qui regardent cette émission pour se cultiver suivent ce que je dis. Ils regardent sur la carte où est... Petrópolis, absolument. Ouais. Alors, quand la guerre commence, votre père s'engage incognito dans la Légion étrangère sous le nom de Orliac. Oui. Mais il est démobilisé, évidemment, en 40 quand il y a l'armistice. Il s'installe au Maroc, où il devient l'héritier du trône de France à la mort de son propre père. C'est comme ça que ça se passe, voilà. Alors, à l'époque, la loi d'exil interdit aux familles ayant régné sur la France de vivre en France, donc oui. Vous êtes en exil, hein, ouais. Au Maroc. Vous ouais. êtes élevée comme une espèce de petite sauvageonne, on pourrait dire. Ah ben, je crois que je n'étais pas élevée, je crois que c'était dans moi-même, ouais, ce d'être sauvageonne, parce ouais. que
Mais c'est pas, l'éducation n'a pas été sauvageonne du tout. Oui. On a une éducation très stricte, oui, ce qui est très bien pour plus tard. Mais je crois que c'est mon caractère qui sortait de là et j'étais intitulée par tous ceux de la famille La Sauvage. La Sauvage, on me dit un petit peu le vilain petit canard. Ah oui, oui, le vilain. L'ours mal léché, enfin oui, on pourrait. Oui, oui, oui. Je sais. Ça va aller, ça va aller. Toudou, tu vas y venir, Toudou. Calme-toi. Voilà. Donc, vous vivez au Maroc, cette oui, prime enfance, ensuite l'Espagne à Pamplune et le Portugal dans la maison de votre père à la Quinta, voilà. Et là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Là, vous entrez en rébellion contre pratiquement la terre entière et vous dites, très jeune, personne ne décidera à ma place. La couleur de mes pulls. Hein? Non, c'est vrai. Non, je dis textuellement à une psy qui était venue me voir, je dis, personne ne décidera à partir d'aujourd'hui ce que je vais faire de ma vie. Et moi, ouais, je décide moi-même ce que voilà, je vais faire. Voilà. Et c'est ça qui m'a fait... que la psy n'était pas très contente. Pas très contente, hein, d'ailleurs. Alors elle m'a punie. Tout le monde à l'époque. J'ai été punie. Ah oui, vous avez été punie. C'était quoi? On m'a mis dans une situation. De... C'est terrible, c'est-à-dire que tellement Diane était rebelle après le passage chez la psy, effectivement, ouais, on l'a mis dans une institution pour handicapés mentaux. Oui. Ah oui, bah oui, ouais, bah, parce que si tu veux, là, à cette époque-là, ça rigolait pas une seconde. Hein. Ah non. Toi, tu as fait les collèges de riches, t'as le Rosé, les Roches, moi, et tout ça. Moi, j'en ai fait 6. T'en as fait 6, mais ouais, bon, c'était pas des institutions pour handicapés mentaux. Non, non, mais j'ai fréquenté aussi. Moi, ça a été ma chance. Voilà. Et là, vous étiez avec des enfants qui étaient oui, du tout incapables de reconnaître une pomme d'un chat. Oui, oui. Et j'avais beaucoup de peine pour eux. Oui, ils étaient battus à coups de bâton. Oui, hein, alors moi, je prenais les coups de bâton pour eux parce que j'avais trop de peine. Ouais. Mais une petite fille de 9 ans qui prend des coups de bâton pour les autres, ça dure une, deux ouais, semaines. Et après, j'ai dit, moi, je ne veux plus continuer à prendre des coups de bâton. Mais ça me faisait de la peine. Alors, à l'issue de ce séjour dans cette institution pour handicapés mentaux, hein, oui, vous rompez carrément avec votre famille, hein, vous ne voulez plus les ah voir. Oui. Non, je les vois, mais ça m'était complètement égal, voilà, vous comprenez? Ouais. Étant donné qu'on a un timbre sur nous, on nous décrète imbécile, idiot, moi je dis, bah, c'est très bien, à partir d'aujourd'hui, moi je fais encore plus que je voilà, peux. Et à partir de là, vous êtes oui, élevé. C'est bien. Oui. Et vous êtes élevé par des domestiques à partir de là. Ah, Madeleine, qui ouais, était adorable, elle venait du Limousin. Je lui chantais la Madeleine, alors c'était pas très correct non plus. Mmh. Elle disait, Princesse Diane, on fait pas ça. Hein. Ouais. Alors, elle m'a éduquée, elle était adorable. Ouais. Et j'allais avec les ouvriers dans la ferme. Au fond, je fichais rien. Vous êtes élevé par des domestiques. Et en 1950, l'Assemblée nationale abroge la loi d'exil, vous rentrez en France. Oui, je finis par rentrer. Et là, quand vous allez dans une école française, vous êtes victime, alors là, du passé historique de votre famille. Ah oui. Dans la cour d'école, les enfants vous crient « Orléans, assassin ». Oui, oui. Oui, oui, oui. Alors moi, j'étais furieuse parce que je dis « Comment est-ce qu'ils peuvent oser dire que mon père est un assassin ?» Enfin, on l'a porté... tout ce qui s'est passé des rois de France, mais je trouve que c'était injuste. C'était injuste. Moi, une fois, j'ai vu un panneau énorme, Orléans, 80 km, je n'y ai pas cru. Mais ça, c'est plus court oui, que ma vie. Ça choque quand même, hein. C'est quand même des dénonciations tout le temps. Quoi. Pourquoi on le traitait d'assassin ? Il faut dire les choses. Faut dire oui, les choses. L'ancêtre oui, de Diane, Philippe Égalité, a voté la mort de son cousin Louis XVI. Oui. Je ne sais pas si toi, tu voterais la mort de ton cousin, oui, non ? Non, regarde, de base, non, non. De hein, base, non. Voilà. Non. Tu veux, voilà. Bon. Et ensuite, Louis-Philippe a chassé Charles X, son cousin. Ouais. Donc deux fois de suite. Enfin, il ne s'entendait pas très bien. Bah, quand d'accord, même, mais il a chassé du trône. Bon, alors, donc c'est vrai ça, ça qu'à l'école, bah, à l'école, vous tombiez ouais, bah, sur des bah, enfants. Vous n'avez bah, rien à voir oui, avec ce mais c'est ce que je disais aux jeunes filles. Je disais arrêtez de dire des bêtises pareilles. Enfin, c'est vrai, mais vous n'avez pas besoin d'attaquer le nom de mon père. Moi, je défendais quand même mon père. Mais vous comprenez quand même que des enfants aient pu vous dire ça à l'époque. Je comprends. C'est les parents qui leur ont dit ça, c'est pas eux. C'est les parents qui ont dit ça. Mais ils étaient partisans de la branche aînée. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Non, c'est une espèce de stupidité, de racisme contre les Orléans. Oui, enfin voilà. En tous les cas, vous êtes fait insulter à l'école. Et qu'est-ce que vous faites à 19 ans? Vous épousez? Ah ben, j'épouse le duc de Württemberg. Et voilà, Karl. Et, ben, et je m'en vais. Et voilà. Le problème, c'est que votre frère a dit, parce que lui, il a aussi épousé une Württemberg, votre frère Henri, qui est donc maintenant l'héritier du trône, a dit que c'était des mariages arrangés, tout ça. Oh, tu parles. Non. C'est absolument pas vrai. Ah bon? Lui, il était fou amoureux de Alice, ça, je peux vous le dire, parce que quand on allait en chemin, il fallait toujours s'arrêter pour téléphoner
téléphoner. À cette époque, il n'y avait pas les mobiles. À ma belle-sœur qui s'appelle Marie-Thérèse. Alors, c'est il téléphonait. Ali. Et moi, j'ai dit, mais arrête de téléphoner. Fiche-nous la paix et emmène-nous là où on veut ouais, aller. Ouais. Bon. Donc, en fait, ce n'est pas vrai. Mais non. Votre mariage n'a pas été arrangé non, pour réconcilier. Tout. Parce que vous savez bien, quand même, que L'Allemagne ça a aidé à la réconciliation là. Franco-allemande. Ah oui, ça fait un boom. De Gaulle à Adenauer, ça leur faisait plaisir de voir que des... Mon mariage a fait un boom, oui. Voilà, les aristocrates français épousaient des aristocrates allemands, c'était bien. Oui. Ah oui, c'était très bien pour la politique. Pour la France et l'Allemagne, pour la paix. Moi, ça m'était égal, mais... Ouais, mais vous, non. Vous, ah, c'était pas... Les miens, oui, oui, c'était oui. Par amour, c'était par amour. Oui. Par amour. Ah oui, oui, oui. Est-ce que par amour... Est-ce que par amour, vous seriez prête à vous habiller en Elton John? En quoi? C'est une autre interview. C'est une autre interview. Non, non, faut pas tout mélanger. Pour autre chose, bien. Ce que je veux, c'est pas pour les autres. Bien. Alors, six enfants. Oui. Je continue. Je peux continuer, Laurent. Alors, le problème, quand même, faut le dire, c'est que la vie chez les Württemberg, c'était pas très, très, très drôle. C'est pas facile à prononcer, déjà, non, ça, non. C'était pas très drôle, mais avec mon humour, moi, ouais. Je riais. Oui, vous riez, mais enfin, quand même. Oui. Diane, il y a quand même un truc, c'est que la nuit de noces, vous arrivez à Zurich, il a même pas réservé une chambre d'hôtel, le mec. Franchement. On avait tout oublié. Franchement. Vous étiez obligé de dormir dans un bouge. Oui, oui. Et au puis camping. Bah, tant pis. Mais ça vous a fait rire. C'est là où vous êtes formidable, ça vous a fait rire. Oui. Cette idée de vous retrouver dans un boui-boui, oui, ça vous a fait rire. Ouais. Le lendemain, bah, j'ai retrouvé toute la famille à l'aéroport. Oui, et ça a été de nouveau des embrassades. Bon. Donc déjà, tu as le mec qui est sur... Mais vous voyez, ma vie, il y a eu des choses. Ce livre montre que c'est une femme qui a passé par des hauts et des bas terribles. Mmh. Mais à chaque fois, grâce à son humour, elle s'en sort. C'est vrai. Et elle rigole de la plus important. Des bêtises qu'on me faisait et des mauvaises choses. La nuit de noces, vous en riez. Ah oui, j'en riais. Après, ça s'est bien passé. Ça vous regarde c'est pas. C'est une bonne mentalité. D'accord, mais ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de... Tac. C'est dans le livre, hein. Ah oui. Ah, c'est vous qui l'avez. Il y a des croquis. Au fusain. Fait par vous ici. Au fusain. Comme dans le Titanic. Bien. Alors après, il y a un épisode un petit peu tragique, sérieusement. Oui. C'est le voyage de noces. Donc vous êtes à Rio, vous rencontrez une diseuse de bonne aventure qui vous tire les cartes et qui vous annonce la mort de votre frère François, qui est mort en héros en Algérie, on s'en souvient tous. Et c'est un petit peu le début du déclin de la famille d'Orléans, on peut le dire. Quoi. La mort de François était un grand choc pour papa et maman, nous tous aussi, moi aussi. C'était mon héros, comme je dis dans le livre. Et là, vous découvrez un petit peu quand même... votre père, quoi. C'est-à-dire, vous êtes très déçu par votre père. Par exemple, il avait promis une dot pour vous, il ne l'a pas payé, quoi. Ça a dû être dur, ça. On a beau avoir de l'humour. Ça a abîmé la situation de ma belle famille envers moi avec Normal. Mon père me dit mais c'est très bien, très bien, très bien. Je te donnerai une dot et puis j'en ai jamais vu la couleur. Voilà. Bon. Il y avait quand même un million de francs qui avaient été promis par votre père. Non, il avait dit, je te donnerai une date. Ça a été mal interprété. Non, ce qui s'est passé... Dans le dossier, une date. Non, et lui a donné... La famille de Württemberg qui a été obligée de s'appuyer... Tu le dis vachement bien. La famille de Württemberg a été obligée de s'appuyer les frais du mariage. Oui. Et Henri, votre père, n'a rien donné. Voilà. Donc vous, quand vous étiez face à cette famille de Württemberg, c'était très compliqué pour vous. C'était un peu gênant, après. C'était gênant parce qu'on était un peu comme un coucou qui vient dans le nid. Oui, dans le nid des autres. Dans le nid des autres, c'était un peu embêtant. D'ailleurs, ils vous mènent la vie dure, ces Württemberg. C'est pas facile pour vous, vous avez des problèmes. Et puis je parlais pas la langue. Voilà. Comme bonne française. Et là, Diane, vous partez. C'est un petit peu la boulette, mais je crois que comme vous après, en parlez... Après, tellement d'embêtements... Diane, je crois que vous en parlez dans le livre, donc on peut en parler. Oui, c'est un petit peu mais la... ça va vous réjouir, parce que non, ça nous réjouit pas du tout, parce que... Vous allez m'attaquer là-dessus. Non, bon, vous savez, on n'attaque personne. Non, simplement, alors, Laurent, que tu sois au courant, Diane part seule en Espagne. J'ai lu le livre... Bon, elle part seule en Espagne. Et elle appelle ça, c'est congé payé. Alors voilà la phrase. J'ai trouvé le réconfort sur l'épaule compatissante d'homme. Merde. Fût-il roi, prince ou simple anonyme. Vous êtes content? Non, on n'est pas content, La vie, mais c'est normal, écoutez, demandez-y à tout le monde. Non, écoutez, c'est tout à fait normal. Mais bien sûr, t'as rien fait de mal. Moi, je me réjouis pas de ça. Ah non? Vous êtes impur, alors. Mais oui. Non. Ma femme faisait j'aurais pas l'attitude de Karl qui a passé l'éponge. Mais il est à Saint-Homme, vous voyez. Non, mais quand vous êtes revenu, Karl a passé l'éponge. Moi, ma femme partirait en congé payé, comme vous dites, avec des rois, des princes, voire de saints. Qu'elle revienne, qu'elle parte pour toujours. Je sais pas. Tu passerais l'éponge. Non, je passerais pas l'éponge, non. Si vous l'aimez, oui.
Tu sais, il y a plein de trucs que tu sais pas, Thierry, moi, quand même. Il va falloir qu'on se parle, hein. Non, honnêtement, vous avez eu de la chance, permettez-moi de vous le dire, vous avez eu de la chance de tomber sur un homme, Karl, qui a une certaine grandeur d'âme. Ah, mais je l'ai choisi, hein. Bah, vous l'avez bien choisi. Voilà. Crème de mec. Il est toujours alors, avec vous, là. Oui. Ah, bien sûr, il est là, il est couché, dans le panier, bouge pas. Non. C'est un grand seigneur. Mm. Peut-être qu'un jour vous l'aurez ici. Mais j'espère. Oui. Mais c'est dommage qu'il ne soit pas venu. Ah ben oui, mais il a plein d'affaires. Et quel couturier en plus ? Quel quoi ? C'est pas Lagerfeld, c'est Karl Lagerfeld. Je te raconte pas les fiches qu'il a, c'est un désastre. Bon, donc il passe l'éponge. Hein. Alors, au fait, il passe l'éponge, oui. Il vous pardonne. Mm. Sans problème, en combien de temps ? Le pardon était fait en 10 minutes. Hein. En 10 minutes ? On ne va pas se fatiguer, je ne vois pas pourquoi faire du blablabla. Pourquoi pas faire, formidable. Pourquoi pas faire, ouais. Je sais pas. Eh ben moi, je suis arrivée, j'ai dit, écoute, voilà, je reviens. Ouais. Eh bien, tout le monde, bah, d'abord, mais il a tout pas un monde... peu râlé, il n'a pas dit, elle était où, la pomponnette, non, non, non. Non, je suis revenue, j'ai dit, bah, écoute, ouais. Je suis là, tout le monde, tout le monde du château, les enfants, tout le monde n'ont qu'une envie que je revienne parce que il faut voir que quand je suis partie, les dames doivent le savoir, quand on quitte la maison, ben c'est le bordel après dans la maison. Ouais. Hein? Tout ouais. Va à volo. Ah, ben, tout va à volo. C'est hein? La gabegie, la porte oui, ouverte. Oui, alors moi, ils ont bien vu que finalement, je faisais quelque chose. Donc, il était assez content de pouvoir revenir finalement. Hein? Alors, ils étaient tout contents. Alors, tout le monde une était question, très content. Et ça, c'est pas dans le livre, ça, c'est pas dans le livre. Est-ce que vous êtes reparti ensuite en congé payé? Non. Ah, ça, c'est bien. Non. Donc il vous a pardonné une fois, mais après vous n'avez oui. Plus jamais fait d'écart, Diane. Non. Bon d'accord, ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Pas mal, t'as... Oui, mais de toute façon, elle était qu'avec des épaules, c'était pas... Oui, des épaules, oui, t'as raison, bah, des ouais, épaules. Il y avait un peu de bide, là-bas. Des épaules, épaules compatissantes. C'est pas grave. Ouais. Au même titre que sucer, n'est peut-être pas trompé, une épaule, on peut dire que c'est pas grave, une épaule. Ça, vous l'avez alors, déjà, une épaule pour combien de personnes, par exemple? Une épaule avec des gousses d'ail dedans. Ça vous fait quoi, Diane de France, de voir qu'aujourd'hui les châteaux servent à tourner la Star Academy? Ou des films de cul? Bon, eh ben c'est une époque qui est évolue et qui est finie. Ouais. Oui, vous en prenez votre parti, quoi. Oui, c'est une et époque. Ça vous fait quoi de voir que Stéphanie Monaco épouse un acrobate portugais, par exemple? Oh, ben ça, c'est son problème. Non, mais hein. ça vous choque? Vous êtes choqué? Parce que vous avez épousé un Württemberg, quand même. Oui, mais... Qu'est-ce qui te choque? C'est le côté acrobate ou portugais? Ouais. C'est-à-dire que le gouvernement portugais a démenti. Hein, c'est pour te dire à quel point c'est grave. Le mariage? Oui, le gouvernement portugais a dit qu'il n'était pas portugais, oui. Ça vous voilà. Fait quoi, par exemple, de voir que Jérôme Leroy est obligé de jouer à Guingamp? Que qui? Que Leroy. Laissez tomber. Et que le futur roi d'Italie épouse une roturière, ça vous fait quoi? Oh ben, ça fait bizarre, quand même. Ah. Ah, quand même. Et les princes de Lus, ça te choque pas, toi? Les princes de Lus, là. Ouais, ah. Ben, c'est ça, les bien, alors le bouquin s'appelle Diane de France, princesse rebelle, et on va voir si vous êtes une vraie rebelle. Interview rebelle! Interview rebelle, Laurent. Diane de France, est-ce que vous avez déjà dit des gros mots? Oh oui, mais pas trop en public. Ouais. Vous avez déjà dit des gros mots? Ah oui, oui. Genre quoi, zut, des trucs t'es comme ça, non? Fichtre bleu. Fichtre bleu, non? Non. Saperlipopette. Ah oui, ça ah, oui. Saperlipopette, ouais. Oui. Diane de France, est-ce que vous avez déjà porté un jean? Voir si vous êtes rebelle. Oui. Oui. Est-ce que vous avez déjà fêté le 14 juillet? Pas souvent. Pas mais souvent. C'est arrivé. Bah, c'est quand même nous qui l'avons provoqué, le 14 juillet. Bah oui, c'est les Orléans. Oui. Mais alors... Est-ce que vous êtes déjà fait piercer le nombril? Non. Bah vous n'êtes pas rebelle alors, c'est quoi ça? Non, mais rebelle, ça ne veut pas dire vulgaire. Hein? Ah, ben, bien. Ah, bonne réponse. Bravo. Ah. Ça fait des années que je te dis ça. Des années. Ah, bravo, Diane. Répété. Est-ce que vous avez déjà fait l'amour sans désir de procréer? Non. Non. Maintenant, six enfants. Oui. Six et il enfants. A fait l'amour six fois, je crois que le compte est bon. Oui, c'est pas mal. Les lettres? Ah, est-ce que vous avez déjà mis les coudes sur la table? Des... Là, je vois les coudes. Oui, oui, oui. Oula, rebelle, rebelle. Et quand vous mangez? Non, quand je mange, non. Est-ce que vous avez déjà embrassé une personne de votre sexe? Non. Diane? Non, Diane. Non, non, non.
Est-ce que vous avez déjà embrassé votre sexe? J'accueille Jean-Pierre Foucault. Bonsoir. Jean-Pierre Foucault. Voilà. Merci. Alors. Bien, alors Jean-Pierre, vous êtes l'une des plus grandes stars de la télévision française. Vous êtes célèbre pour votre bonhomie, pour votre bonne humeur. Mais derrière ce sourire se cachaient des larmes. Et c'est ce que l'on apprend à la lecture de « Le sourire aux larmes » qui est publié chez Calman Levy. En fait, ce qu'on apprend en lisant ce livre, Jean-Pierre, c'est que votre famille a été victime de deux grands événements historiques qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. La Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie. Alors on va prendre les choses dans l'ordre chronologique, on va commencer par la guerre. Et là on apprend que vous êtes juif, Jean-Pierre. Jean-Pierre Foucault est juif par votre mère, dont le vrai nom en fait est Pessa, et non pas Paula, Pessa Leska. Elle vient d'une famille juive polonaise qui ont fui ce pays face à la montée de l'antisémitisme. Alors en fait cette famille vivait en Pologne dans une ville appelée Molgenica, ouais. et devant les actes de vandalisme dont étaient victimes les commerces tenus par des juifs, devant les humiliations et les agressions dont étaient victimes les personnes physiques, bah, beaucoup sont partis, certains sont allés en Amérique du Sud ou en Palestine, d'autres en France ou en Belgique. Et votre mère, donc Pessa à l'époque, va à Anvers où elle rejoint sa sœur Anna. Elle va à Anvers, c'était la seule solution pour elle, c'était la seule personne qu'elle connaissait hors de ses frontières. Quand les nazis envahissent la Belgique, ils partent à Paris, c'est l'exode, ouais, quoi. C'est une fuite. Ils partent sur les routes. Ouais. C'est une fuite, on quitte la Pologne parce qu'il y a, l'oppresseur, on quitte la Belgique, on arrive en zone libre, elle est occupée, on fuit, c'est une fuite en avant. Voilà. Alors, en fait, la sœur de votre mère et son mari, eux, rentrent de Paris en Belgique, ouais. mais votre mère continue, elle veut aller en Argentine, rejoindre des cousins qu'elle a là-bas, elle veut embarquer à Marseille, elle descend à Marseille, et c'est là que son destin bifurque complètement, puisqu'elle rencontre votre père, Marcel Foucault. Alors là, plus question d'Argentine, là. Ben non, parce que l'amour, ouais. L'amour a pris le dessus. Mm. Et en fait, l'Argentine s'est arrêtée au port de Marseille. Ouais. Hein. Et ce n'est qu'après la guerre, en fait, que votre mère apprendra que sa sœur, Anna, qu'elle avait rejoint à Anvers, est morte dans le camp de Birkenau, et qu'elle est la seule survivante parmi 11 membres de sa famille. Elle savait qu'elle partait. Mm. Elle savait qu'elle partait pour les camps, puisque un jour, elle est allée à Lyon. Elle savait qu'elle était dans un des trains qui partait pour Birkenau. Elle a couru sur le quai de la gare Lyon-Perrache en criant « Connaissez-vous Anna ? Connaissez-vous Anna ?» pour lui dire qu'elle avait sauvegardé les enfants de sa sœur. Ouais. Elle ne l'a pas vue, sa sœur ne l'a pas entendue, mais elle était vraiment dans ce train, puisque par la suite, sur les listes qu'elles ont découvertes après-guerre, elle a appris que sa sœur était là. Mais l'essentiel dans cette tristesse et ce malheur, c'est que mon père et ma mère aient sauvé ces deux jeunes enfants de 7 et 8 ans, Maurice et Paulette. Voilà. Alors, pas étonnant qu'après la guerre, votre mère ait accepté que ces trois enfants dont vous êtes l'aîné soient baptisés. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, ces deux mères juives ont mis leurs enfants sous la protection de la foi catholique parce qu'ils se sont dit ça risque de recommencer, ça risque de revenir. C'était bien évidemment par protection, mais sans doute aussi un peu par amour, puisque mon père était catholique pratiquant, ses parents étaient encore vivants, et il a demandé vraisemblablement, et par amour et par protection, que nous soyons élevés, mes sœurs et moi-même, moi d'abord puisque je suis l'aîné, dans la religion catholique, ce qui était mon cas. Alors voilà, les années passent, vous passez vos dimanches au Lek, à côté de Toulon. Vous partez là-bas faire des pique-niques avec votre père, qui est une Delahaye rutilante. Vous découvrez la radio, vous avez des difficultés à l'école. Et là, vous réalisez en fait
que le spectacle, c'est peut-être votre vocation, hein, Jean-Pierre. Vous aimez divertir, quoi. Vous vous rendez compte que ça vous attire. Oui, parce que je suis fasciné par les voix que j'entends à la radio. Moi, je trouve magique. Je me dis, comment, il est 7h du matin, j'entends quelqu'un qui est de bonne humeur, qui me dit qu'il fait beau, qu'il fait pas beau, qui me donne l'heure. Et j'aimais mettre un physique, un visage sur cette voix. Et je me suis dit un jour, peut-être pourrais-je être à sa place. Il doit bien avoir une recette pour être tous les jours de l'année, de bonne humeur. Et ça a été une de mes passions, si vous voulez, à tel point que j'avais bidouillé un petit fil qui partait du poste de radio familiale pour aller jusque sous mon oreiller. Et j'écoutais comme ça la radio en rêvant un jour peut-être en faire à mon tour. Alors, à cette époque-là, il y a un épisode qui est assez drôle. C'est Jean-Pierre Foucault défoncé avec un produit qui s'appelle le Cafilon. C'est-à-dire que, défoncé, c'est pas ça n'a pas la même connotation qu'elle a aujourd'hui. Hein. On a ça en commun. C'est qu'on a tendance, tous les deux d'ailleurs, à prendre un petit peu d'embonpoint. Oui. Donc vous, on vous avait donné si j'avais su, je me serais habillé en noir. Maintenant, vous avez un deuxième point commun. Hein. Il se défonce aussi. Hein. Du Cafilon. C'est un peu comme le fringanard, parce qu'il y a un produit comme ça dans les années 70. Ils les connaissent tous. Hein. Mais je me doute. Mais c'est un vrai le spécialiste. Le fringanard, c'est ça, c'est un truc que les... On n'en trouve plus du fringanard. Non, on n'en trouve plus, mais du Cafilon non plus. Matin, midi et soir, et j'étais super mal. Ah non, il était debout sur les tables de l'école en expliquant aux profs comment il fallait enseigner. Oui, mais ils m'écoutaient parfois. Défoncé, quoi. Ouais. Et là, ça va mieux. Question poids, oui. Là, est-ce que je vous en pose des questions? Oui, d'accord. Ensuite arrive un temps un petit peu difficile, c'est le temps des difficultés financières de votre père. Les déjeuners du dimanche se sont faits plus rares, la Delahaye est restée au garage, enfin voilà, c'était un peu la dèche. La Delahaye restait au garage, on la faisait tourner simplement pour qu'elle tourne, mais elle ne sortait plus. Voilà. Alors votre père relance ses affaires en Algérie, il ouvre un bureau rue Michelet, et c'est là qu'il sera assassiné en 1962, quelques semaines avant l'indépendance, 2 balles dans le dos, l'assassin n'a jamais été identifié. Jamais. Jamais. 22 février 1962, il est devant ses bureaux, vous avez raison, du 18 rue Michelet, et il prend 2 balles dans le dos. Qui, pourquoi, je ne saurais jamais. Mais j'ai reçu, vous savez, beaucoup de témoignages de gens qui habitaient la rue Michelet. Tout le monde me dit, on tirait sur tout le monde. Ouais. Tout le monde tirait sur tout le monde. C'était la fin et le début de la nouvelle Algérie. Ouais. Alors vous racontez, Jean-Pierre Foucault, votre visite à Alger, rue Michelet. Vous marchez dans la rue, elle est longue la rue Michelet, elle commence au numéro 240. Votre père a été assassiné au numéro 18. Donc vous descendez cette rue, et avec tous les gens qui vous disent c'est votre dernier mot, c'est votre dernier mot. Alors il y a des fois ça fait plaisir évidemment, mais là d'un seul coup ça devient, j'imagine, lourd quoi. Oui et non. Parce que je m'imaginais arriver dans un pays hostile, dans le pays qui avait pris la vie de mon père. Et c'était tout le contraire, parce que, vous savez, Alger, nous sommes très connus, nous tous, à Alger, parce que ça n'est plus Alger la Blanche, mais Alger la Parabole. Et en descendant cette rue où je n'attendais que ce numéro 18 pour enfin vivre avec intensité et émotion ce moment que j'ai attendu 42 ans, c'est vrai que j'entendais « c'est votre dernier mot ». Mais je préfère « c'est votre dernier mot » à des colibés ou des réflexions hostiles en disant « qu'est-ce qu'il vient faire chez nous ?». Vous entrez au 18 rue Michelet, vous posez vos mains sur les boîtes aux lettres qui n'ont pas changé, qui sont les mêmes que celles qui avaient en 62, j'imagine. J'allais dire « c'est presque ma chance ». Rien n'a changé. Comme ça, j'ai pu vraiment voir 42 ans après. La porte est la même, les boîtes aux lettres sont les mêmes. Au fond du couloir sombre, l'ascenseur qui est en panne depuis 62 ou 63. Et là, dans ce couloir, je croise quelqu'un qui me dit « tiens, qu'est-ce que vous faites là ?» Je lui dis en deux mots, il me dit « mais ma grand-mère était là en 62, montez !» Je monte, elle m'accueille gentiment, elle ne comprend pas pourquoi celui qu'elle voit à la télé entre d'un seul coup chez elle. Et j'attends la vérité, j'attends un bout de vérité. Et là, elle me dit, mais vous savez, nous, les Arabes, en 62, on n'habitait pas la rue Michelet, c'était les quartiers chics. Je suis arrivé qu'après. Voilà. Donc, elle n'a pas vu, elle n'a rien su. Donc, pour moi, ça a été, si vous voulez, ces 3 étages les plus longs de ma vie, en disant peut-être qu'au bout de la dernière marche, enfin, je saurai 42 ans après. Malheureusement, je n'ai pas su. Alors là, vous avez 14 ans, hein, quand ça arrive, et c'est là que vous commencez à vous cacher derrière votre sourire, en fait. J'avais 2 solutions. Ou tomber dans la dépression, parce que je ne pensais qu'à ça. Qu'à ça. Dès qu'il y avait un instant de silence à la maison ou à l'école, je ne pensais qu'à mon père. Pourquoi lui? Par qui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas normal. C'était le plus fort. Vous savez, quand on regarde son père, quand on est gamin, il est grand, il est fort. Donc, la seule solution, c'était de me faire remarquer. Je pouvais pas être playboy, pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure. Donc, j'ai décidé d'être clown. Donc, j'ai, si vous voulez, utilisé ce masque. Mon livre, j'aurais pu l'appeler, méfiez-vous, des apparences. J'ai voulu
prendre ce sourire pour qu'on évite de me poser des questions idiotes du type « Est-ce qu'il te manque ton père ?» Ouais. Donc là, au moins, je faisais le clown, les gens se marraient et on avait oublié ma... votre tristesse, votre souffrance. Ma tristesse et surtout ma souffrance, ouais. Ma profonde souffrance. Mmh. Je peux vous dire quelque chose qui m'a profondément ému. J'ai mon professeur principal que je n'avais pas vu depuis 40 ans. Je lui ai envoyé mon livre. Mmh. Il m'a appelé, monsieur Ripper. Il m'a dit « Jean-Pierre, je voulais te dire quelque chose. » Je vous écoute, monsieur Ripper. Je l'ai lu deux fois. Pourquoi l'avez-vous lu deux fois, monsieur Ripper? Parce que j'ai compris qu'on ne t'avait pas compris. Oh, et ça, ouais. Ça m'a fait, si vous voulez, énormément de bien, énormément de peine à la fois. J'ai bien fait d'afficher mon sourire. Jean-Pierre Foucault. Alors Jean-Pierre, maintenant qu'on sait que ce sourire cache des larmes, on voit que vous êtes capable de casser votre image. On va vous faire une interview. Je casse mon image. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous connaissez des gros mots, Jean-Pierre Foucault? Bien entendu que je connais des gros mots. Et quel est le pire des gros mots que tu puisses prononcer? Que diantre. Oui, c'est ça. Sacrebleu. Sacrebleu. Saperlipopette. J'ose pas. Zut, peut-être. Tu vas trop loin. Mais non, je dis les gros mots que tout le monde dit. Ce sera coupé, on est d'accord. Non, mais d'accord. Les gros mots que l'on dit lorsqu'on s'emporte, il est difficile de les dire à froid, comme ça. Vous dites quoi, par exemple, quand vous êtes vraiment énervé contre quelqu'un, vraiment un truc... Je sais plus. Énervez-moi pour voir. T'as encore grossi, Foucault. Tu vas la fermer, gros con. C'est très marseillais, ça. Cela dit, c'est vrai que t'as encore grossi. Oui. Vous avez déjà frappé une femme? Non, bah non, bah non. Bah, Méline? Non, 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 non. Dis la vérité. Une femme... Je t'ai vu tabasser une gamine dans les loges. Non. Je t'ai vu. Ni une femme, ni un animal. Par contre, un mec avec un pull noir zippé par le devant, ça peut m'arriver. D'accord. Jean-Pierre. Est-ce que pour casser un peu votre image, là, vous pourriez nous dire que vous êtes un obsédé sexuel? Mais je ne suis pas un obsédé sexuel. Moi, j'aime le sexe comme vous pouvez l'aimer. Ouais. Mais je suis pas. Elles sont très déçues, là. Non, mais attendez, ça ne veut pas dire, parce qu'on n'est pas obsédé sexuel, que sexuellement, c'est... comment dirais-je Démerde-toi tout seul. M'appelle pas au secours. Hein. On sait que t'as la bite à la main en permanence, alors arrête. Que sexuellement, arrête. C'est désagréable. Hein. Donc il ne dira pas qu'il est un obsédé sexuel. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a jamais eu de plainte. Ouais. Jamais. La drogue? Jamais. Beaucoup. Jamais. Beaucoup. Rappelez le nom du produit, votre honneur. Catilon ou Cafilon? Cafilon. Honnêtement, jamais. Est-ce que pour casser votre image, pourriez vous coiffer autrement? Mais ça m'est arrivé. Regardez-moi, j'ai changé. Vous étiez coiffé à la Foucault. Comme avant, vous, voilà, exactement. Moi, un jour, ça m'est arrivé. Le coiffeur, pendant sa soirée, a décidé de me faire un truc un peu spécial. Ça a tellement gueulé au standard de TF1 que le mercredi d'après, je me suis recoiffé normalement. Ah oui, ben moi, les miens, ils n'ont pas gueulé quand j'ai changé de coiffeur. Ils s'en tapent complètement. Tu pourrais te raser ce soir, ils ne le verraient même je pas. Je me demande même s'ils regardent. Est-ce que vous pourriez faire ça au paparazzi qui vous emmerde? Ah, bien. Très bien. Mais. Sauf qu'il ne m'emmerde pas, parce que je suis un non-événement. Oui. On est en montage, on mettra que ça. Pour casser votre image, là. Allez, est-ce on va pourriez, casser mon image. Vous pourriez lécher l'oreille de Laurent, là. Oui, bien sûr. Sûr. Moi, bien sûr, bien sûr. Qui va partir avant que ça se passe. Bien sûr, vas-y, Laurent. Non, vas-y. Non, c'est pas mon trip du tout. Non, moi non plus, c'est pas mon trip. Hein. Méline. Méline. Méline, Jean-Pierre va te lécher l'oreille pour casser son image. Viens, chérie. Attends. Elle dit non, il faudrait l'attacher. Elle dit toujours non, Méline, au début. Laisse-nous faire. Bon. Je me dis, vous. Je me dis, vous. C'est moi dont vous allez lécher l'oreille. Mais juste comme ça, c'est pas... Mais non, mais pourquoi... Attendez, d'abord, j'aimerais comprendre vos pulsions. D'après des informations que j'ai pu avoir vous concernant, il semblerait qu'il y a d'autres endroits que vous préférez pour la lèche. Oui. Oui, mais après. On les tournera après. Donc après. Non, ce matin, en me réveillant, je me suis dit, j'aimerais qu'il me lèche... Mais juste le bout de l'oreille, Jean-Pierre, comme ça. Non, lèche l'oreille, qu'on en finit, je t'en supplie. Ah! Bien, alors Gérard de Villiers, j'ai quand même un compte à régler avec vous, parce que je vous ai invité ici récemment pour votre livre consacré à la libération des otages Chéneau et Malbruno.
en présence de Georges Malbruno. Et puis, j'ai lu dans un magazine, alors moi j'étais très sympa avec vous, et vous vous dites dans un magazine, on a discuté d'une façon très intéressante, et Ardisson se trouvait un peu en dehors du coup. On parlait de trucs que lui ne connaissait pas, et le guignol habituel, c'est toi, ben lui non plus. Je vais vous dire, moi j'avais été très sympa avec vous. Mais c'est fini ce temps-là, on va te déchirer maintenant. Ben oui, oui. C'est la guerre. Non, il y a un truc, que je ne vous ai pas dit quand vous êtes venu, et je vais vous le dire ce soir, tant pis pour vous, il ne fallait pas dire ça. Vous m'avez accordé dans Descente de police, il y a une vingtaine d'années, une interview. C'est pour le journal Rock et Folk. Et vous aviez dit dans cette interview, au sujet de l'apartheid en Afrique du Sud, vous m'aviez dit à l'époque, je me sentirais toujours plus proche d'un blanc con que d'un noir intelligent. Alors je vous avais dit pourquoi, et vous m'aviez répondu parce que je suis blanc. Bah, on est toujours plus proche, vous savez, les noirs sont plus proches les uns des autres. Un noir est toujours plus proche d'un noir que d'un blanc. Et ça n'a rien de raciste, c'est une simple constatation. Non mais il n'y a aucune méchanceté. 20 ans après, vous persistez en disant je me sentirais toujours plus proche d'un blanc con que d'un noir intelligent. Il faut retirer les épithètes. Ouais. Je me sentirais généralement plus proche d'un blanc que d'un noir. Tous les noirs sont plus proches les uns des autres que d'un blanc, c'est logique. Ouais. Ça ne vous paraît pas, pas évident. Non, moi je me sens plus proche d'un noir intelligent que d'un blanc con. Non, on ne peut pas approuver ce truc, mais depuis lors, Gérard de Villiers, je l'ai appris, est allé en Afrique du Sud. Tout à fait, je vais rencontrer Mandela. Voilà, il a découvert ce qu'était précisément un pays dans lequel chacun respectait chacun. Tout à fait. Les Noirs, les Blancs, les Métis, les Indiens. J'ai suivi la campagne de Mandela. Et il est finalement, malgré ses propos d'il y a 20 ans, devenu un admirateur de Mandela. Tout à fait. Oui, parce qu'il y a 20 ans, vous disiez qu'il y avait eu des Blancs en Afrique du Sud avant les Noirs, et qu'ils étaient plus chez eux en Afrique du Sud que les Noirs. Ça, c'est un fait historique. Hein. C'est pas un fait historique, non. Enfin, on va parler de l'histoire, c'est pas un fait historique, non, non. Non, il y avait des Noirs. Blancs, il y avait des Blancs. Non, il y a eu des Blancs il y a très longtemps en Afrique du Sud, qui ont fait la peau à beaucoup de Noirs qui s'y trouvaient, notamment les Zoulous. Mais ça, c'était plus au Sud. C'est en Afrique du Sud, quand même. Non, non, c'était plus au Sud. Ah, plus au Sud, plus au sud que les Zoulous. Au sud de l'Afrique du Sud, c'est la flotte, on se noie. Hein. Non, c'est le Cap. Mais il vous arrive de dire des trucs bien? Ben, gentil. Bon. Alors, dans la même interview à Rock et Folk il y a 20 ans, toujours des centres de police, vous disiez les pieds noirs auraient pu garder l'Algérie s'ils s'étaient battus, mais ils étaient trop indolents. Ils étaient complètement arabisés. Bah, ils ne sont pas battus. Sauf l'OAS, c'était pas de la bataille, c'était du massacre inutile et stupide. Non, mais c'est pas ça qui est choquant. Oui. C'est qu'ils étaient indolents parce qu'ils étaient arabisés. C'est pour vous, l'arabe est indolent d'une façon générale. Écoutez, la vie, les pieds noirs étaient des gens qui vivaient dans un milieu arabe complètement. Mais ils avaient pris les habits. D'ailleurs, si vous voyez les pieds noirs et les arabes, ils vivent à peu près de la même façon. Mmh. Les us et coutumes, la façon de vivre, bon, c'est normal. Mmh. Ils ont réagi les uns sur les autres. Alors, vous commencez votre carrière journalistique dans un journal d'extrême droite. Mais je ne suis pas resté longtemps. Ouais, qui s'appelle Rivarol. Ouais. Dans votre bouquin, il y a des grands passages anticommunistes, alors c'est... Tout à fait. Voilà, hein. Tout à fait. Voilà. Des passages anti-droits de l'homiste aussi. Oui, c'est parfois agaçant, car ça va trop loin. Ouais, voire un peu colonialiste, certains passages aussi. Vous savez, le colonialisme n'a pas apporté que du mal, hein. Ouais. C'est comme ça. C'est curieux d'ailleurs comment on s'attache. En France, l'extrême gauche est absolument sacrée. Quand 2005, quelqu'un comme Arlette Laguiller dise il faut interdire les licenciements, personne ne dit rien, tout le monde trouve ça normal. Ouais. Gentille, Arlette. Non, elle est folle et dangereuse. Bon, sympa. C'est comme ça. Elle n'est pas raciste. Non, mais vous assumez votre coup. Allez. Non, mais bon, vous assumez votre coup. Hein? Alors, après Rivarol, vous passez par Paris Presse et vous arrivez à France Dimanche. Et là, vous sortez ce fameux scoop. Sheila, est-il un homme? Non, mais c'est... Moi, j'ai interviewé Sheila, toujours pour cette série-là, des centres de police. Elle était encore traumatisée. C'est-à-dire, je l'ai interviewée, je ne sais pas combien d'années après, 20 ans après. Bon, c'était pas du tout ni une méchanceté. C'est tout simplement... On faisait des unes sur Sheila toutes les semaines, à peu près, ouais. À la demande de son impresario Claude Carrère.
Et puis un jour, Guy Goujon, qui était le rédacteur en chef, on était allé voir Carrère, on n'avait pas d'histoire, etc. Et il a eu, il a dit, elle veut un enfant, elle ne peut pas avoir d'enfant. Enfin, Carrère, et il dit, bon, Sheila est un homme. Et là, tout le monde s'est marré. Et, pourquoi ouais. Et puis il a fait la une. Et c'est ça moi. C'est... Vous êtes mis une seconde à la place de Sheila. Une seconde, une demi-seconde à la place de Sheila. C'est profondément scandaleux ce que vous avez fait. Ah bon? Profondément scandaleux et que vous en riez encore, je trouve ça tout à fait méprisable. Je vais dire une chose. Méprisable. Alors, puisque vous me méprisez, moi je vais dire une chose. Que Sheila, on en a parlé. Attendez. Méprisable. Quand on a sorti le papier, M. Carrère, qui était l'impresario de Sheila, n'est pas monté au plafond. Mais M. Carrère n'est pas Sheila. Ah ben non, c'est, ah ben c'est oui. Lui qui nous vendait ben Sheila. Oui. Pensez d'abord aux gens que oui, vous attaquez non. Quand vous faites ce genre j'attaquez de pitrerie. Pas. Et vous y. Je vous vois bien, vous alors, professeur de morale. Ah non, je ne suis pas professeur de morale. Bon. Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme? Écoutez. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites d'une femme et que vous affichez haut et clair avec, oui. À cinq colonnes à la une en disant une telle est un homme. C'est profondément scandaleux et méprisable. Et que vous riez aujourd'hui, je vous affiche mon plus profond mépris, monsieur. Arrêtez votre numéro. J'accueille Eric et Ramzy. Bon alors comment ça va les deux là? Ça va mal. Je sais pas si vous avez remarqué l'entrée mais ça va mal. Ouais ça va mal. Et dis-moi. Dis comment faire pour m'apprendre tout ça. Dis-moi. Chef mamie. Vous étiez là il y a trois semaines. Et on n'arrête pas nous. On il y a trois semaines vous étiez là, vous avez pas de maison ou quoi? J'ai l'impression que vous êtes mon père. Attends, ouais. Il vient de coller son chewing-gum sur la table. Et alors c'est ce qui se fait ici. D'accord, je sais pas. Je vais leur dire leur quelle vérité. Toi, chérie. Ça va, oui. On fait ce qu'on veut, on est français. Et là, je pense qu'il ne va plus y avoir d'émission. Ah je bon. Pense. Toi, là, entre lui. Vas-y, assurez, on parle. On applaudit Monsieur Clémentine. Pour sa nouvelle récolte. En tous les cas, Jamel Debbouze est dans la couleur orange des Ukrainiens qui se battent. C'est bien. La plaisante pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine. Alors, c'est marrant. Il s'est habillé en orange. Et nous, on représente la Tchétchénie en ce moment. Ah oui, ouais. On représente la Tchétchénie. Tchétchénie. C'est vénère, hein. On a trouvé la Tchétchénie, c'est mieux que ton pays bidon. Tchétchène, nous aussi. Tu représentes Gennevilliers, toi, qu'est-ce que tu parles? Je connais pas. Pardon? Attends, moi, c'est le nouveau Brunswick. Mais vous connaissez Gennevilliers? Ouais. C'est où? C'est la dernière station au bout de la ligne de métro. Ah ouais. Mais Trump, c'est même pas en métro. Non, elle a raison. Oh, la ligne 13, tu la prends aussi ouais.
Ah, ah, tu m'as ému. Natacha, parle pas, ça sert à rien. Excusez-moi, juste votre prénom pour continuer l'émission. Michel Larocque. Michel Larocque. Jarmel. Michel. Jarmel. Bien, je vous ai manqué alors depuis 3 semaines. Grave, là. Nous on voulait venir chaque semaine. On s'inquiétait un peu à un moment. Bah oui, il y a 2 semaines vous n'êtes pas venu. Où est Laurent Baffy? Laurent Baffy est pas là ce soir. Ah. Il est remplacé par Orange. Ah. Casimir. Bon, alors c'est un truc le cheval. Ta gueule, parle pas avec moi, parle pas avec moi. C'est... La dernière fois qu'on s'est vu, il nous a craché dessus. Oui, je t'en dois l'ascenseur. Oui. Non ah, si. Ah, si. Ah, ascenseur. Ah, si. Non, parce qu'on lui avait volé des trucs chez lui. Là, je l'ai pris. Alors. Pardon. C'est un rire québécois. C'est un bon rire québécois. On va varier un peu les plaisirs parce que la dernière fois que vous êtes venu, toi, tu étais Ramzy. Comme et toi, tu étais Eric. Quasiment mon prénom. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. Donc, toi, tu es Eric et toi, tu es Ramzy. Ah, bah, j'ai que du rire alors, moi. J'ai... Voilà. Ça va être facile. Alors, moi, alors, attention, ma Ramzy. J'ai une vision de la vie assez précise. N'est-ce pas, tu vois ? Jamel, comment vas-tu ? Jamel ! Bon, comment ça va ? Tu me fais bien marrer, Ramzy. Allez, voyons. Très bien. Nous sommes, nous avons changé. Ah, tu es redevenu. Je suis redevenu moi. Non, tu n'es pas. Tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi, tu es Eric. Comment ça va, Ramzy? Moi, ça va être super facile, moi. Oh mon Dieu, tu es ferme, Eric. Ramzy, vous êtes parti en vacances, vous avez pris des couleurs là, non? Oui, avec ma femme, Anne de Pétrini. Oh, tu l'es, arrête. On s'éclate, on s'éclate à Saint-Tropez. On boit frais. Vas-y, on a dit pas des noms. Comment elle va, votre fille? Ma fille, elle là, sachant que je suis grand et ma femme est grande, va faire plus de 3 mètres. Ah, ah oui, il a un problème avec sa fille. Hein. Ma fille est très très grande. Oui, elle fait la taille de Jamel, déjà. À 2 ans. Elle a 2 ans. Ouais. Ouais, c'est incroyable ça. Elle vous a dit quoi ce matin, Ramzy, votre fille? C'est pas vrai, elle parle, ma fille, enculée. Elle parle comme moi. Elle parle. Non, elle m'a dit papa, tu vas encore faire rire. Oh, c'est Eric alors. Papa, où es-tu au travail? Tu vas encore faire rire, papa. Eh bien, amuse-toi là donc. Et que le dieu de l'humour soit avec toi. Apparemment, elle est touchée. Elle est bien, votre fille. Elle est, pardon. Oui. Alors, ah, j'adore être là. Il m'a brûlé. Eric. Tu m'écoutes, Eric? Oui. Ah, c'est dos, mon Dieu. Eric, tu m'écoutes? Pardon, Marco. Qu'est-ce que... Là, c'est bien. Eric. Je me suis marré, mais j'ai pas compris. Ah, c'est Eric. Ça qu'il faut dire pour pouvoir aller te faire la bise. Ou tu peux dire, je veux te faire une bise aussi. Hein. Ah oui, ça ouais. Fonctionne non, aussi. Non, il faut dire ça, regarde. Il faut dire ça, regarde, tu vas voir. Dites-moi, Eric, vous croyez... C'est moi. Vous croyez pas que vous seriez aussi bien tout seul, franchement? Je pense, oui, que je serais bien tout seul, tout à fait. Il ne me sert à rien du tout. Je t'imite. Je t'imite parfaitement. Eric, je t'imite parfaitement. Il parle pas comme ça. Oui, je suis Eric Judo. Ouais, et le chat, des fois. Oui. Oh, il a fait le chat. Il a fait le chat, tu peux pas le faire pour mon fils. Je suis Ramzy, je peux pas le faire. Eric, Dieu qu'il est rouge, cette personne est très rouge. Oui. C'est vrai? Est-ce beaucoup trop rouge. Il y a une personne beaucoup trop rouge là. Faut sortir. Il y a une personne de Saint-Tropez là. Oui. Non, sérieux. Oh mon Dieu, mais il est rougissime. Pardon, Eric. Eric, c'est moi. Bonsoir. Non, mais c'est vrai, j'ai plâché. Moi, les couleurs, ça me... Ah, c'est du jus de pomme ou c'est du... Exactement, c'est du jus de pomme. Ou c'est de l'alcool? Eric, je bois pas d'alcool, je suis islamiste. Qu'est-ce que c'est cette boîte? Oh, ça va, on peut boire du Canada Dry quand même. Ça sent d'ici, hein. C'est flippant. Eric, arrête, parce c'est que là, c'est quasiment ça de l'essence, en fait. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout. C'est, ça, c'est des produits que vous utilisez pour préparer des choses. N'importe quoi. Oui, ça n'a pas servi à Madrid. Oh oui, c'est politiquement incorrect. Va, on peut être borderline. Et ouais. Allô, ça va. Je leur merde. Non, c'est...
Vous êtes moitié antillais, moitié autrichien. De quel peuple vous sentez-vous le plus proche? T'es en train de perdre les gens, là. Disons, non, parce que je vais refaire mon accent qui marche. Disons que je suis actuellement... Rajoute un accent antillais là-dessus, ça marche. Disons que, effectivement, mon père était de ma culée. Mais ma mère... Non, excusez-moi, non, non, non. Et là, tu termines par un accent allemand. Un accent allemand. Mon père était effectivement de Martinique. Mais ma mère est autrichienne, voilà. Qui m'a fait une éducation assez rigide. Et mélanger l'accent. En même temps, j'ai mangé beaucoup de la banane. Tu vas bien coacher. Eric. Vas-y, nique leur mère. Vas-y, nique ta mère. Vas-y, monte la jolie en force. Comment vous le trouvez comme comédien, Ramzy? Ah, par contre, je le trouve exceptionnel. Ah, tout à fait. J'ai rarement vu un comédien d'une efficacité telle. Oblongue, de forme oblongue. Et bravo pour l'utilisation du mot oblongue, Ramzy. Et vous, Ramzy, vous le trouvez comment, Eric, comme comédien? Je le trouve... C'est vrai que... Ouais, mais c'est un peu vexant, là, ce que tu fais. Parce que ça veut dire que je suis un grand con, quoi. Alors que moi, je te fais classe, tu vois. Mais c'est vrai que Ramzy est grave. Est-ce que vous pourriez vous retourner? Voilà, non, vous essayez à l'envers. Interview de dos. Vous changez de concept d'un... Non, ouais. Non, non. Quoi? Non, j'ai non. Un petit problème. Il y a un problème de dos. J'ai mal au dos, j'aime pas manger mon dos. Toi aussi. Vous allez faire des coups de crasse, hein. Non, c'est pas des coups de crasse. Thierry, sérieux, tu sais, mais on a refusé Fonel pour venir ici. Vous avez encore. Tellement de présence... Je vais te dire. Mais sérieux, on dort ici. Ouais, on vous avez tellement de présence à la télé qu'à un moment, ils nous demandent de vous mettre de dos. Parce c'est Serge Calfon, ça sinon, Serge Calfon. Mais mets-toi de dos. Pourquoi tu fais l'animal comme ça et laisse-le faire son émission comme il l'entend? Non, mais mets-toi de dos, écoute ce qui t'a dit le monsieur. Pourquoi tu veux faire toujours le mec? Armé. Mettez-vous de dos. Rengainé. Et pas vraiment de dos. Tu vois, regarde, est-ce que c'est bien ce que je disais? Non, excuse-moi. Oh non, tu sais, voilà, c'est ça. Je sais pas, non. C'était bien. C'est toi qui as demandé ça. Si, non, c'est pas moi, je viens juste t'embarquer. C'est haram de faire ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de dos? Qu'est-ce qu'il a? Sérieux, là, tu grilles ton ramadan. Là, tout ton ramadan, il a servi à rien. Tout ton ramadan, il est foutu. Sérieux. Non, sérieux. Là, c'est la sincérité. Ah ouais. Non, là, je te parle en ami. Non, là, sincèrement. Là, tu me parles en ami. C'est la sincérité. Je pense franchement que tu vas aller crever en enfer. Sincèrement. Sérieux, je te passe ça. Avec que des petits porcs. En tout cas, il y aura au moins Tupac et Coluche là-bas. Vous pouvez vous mettre de dos, s'il vous plaît. Et Barry White. Okay, non, vous allez me montrer. Vas-y, reste non, de face, reste bon, de face. Bah, voilà, alors, de toute façon, il fallait bien que le faire un jour. Voilà. Ouais. Ramzy de dos. Est-ce que vous pouvez jouer de dos la surprise? Et là, c'est filmé de dos? Ouais. Oui, c'est le principe. Oui, c'est le concept de dos. La surprise. Bien. Bien, bien, bien. C'est bien, surpris, bien. Mais en boîte. Ouais. Je suis surpris, mais en boîte. Bien surpris en surprise, discothèque. Ouais. Avec une autre meuf, apparemment. Alors, Ramzy. Oh, chérie. Ramzy. Ouais, dis donc, merde. Oh, attention. Non, c'est une copie. Est-ce que de dos, est-ce que de dos, vous pouvez jouer la peur? Moi, ça va être la même chose. La peur dans un spectacle de Marie Petragala. D'accord. De qui? Petragala. La danseuse classe, là. Ah, Petragala. Et qui fait tout le temps ça. Elle donc, fait la de cuillère. Dos, de dos, l'amour. Bien. Très bien. Le plaisir. De l'amour. Est-ce que vous êtes prêt pour l'interview? Réaction en chaîne. Moi non. Moi non. Moi je la fais pas. Interview, genre. Réaction en chaîne. Non. C'est vrai, t'as pas l'ambiance. On se concentre, les enfants. Pardon, monsieur. On se concentre, mon petit Ramzy. Je vous kiffe, Thierry, vous savez. Je sais. On vous propose un plan à trois, qu'est-ce que vous faites? On a déjà joué avec Ramzy. On prend la mienne? Oui. On a déjà joué là-bas en plus. D'accord. Un plan à trois. Bien, oui. Voilà, j'aurais dû prendre la tienne. Ramzy, je suis fan moi de ça. Une femme mais moi, superbe. Je suis femme. Une femme superbe couchée avec vous car elle avait... Une femme superbe. Oh la honte, il s'est pas parlé. Ouais, elle a bredouillé. Hardi saute. Moi, je crois que ah, l'hardi bredouille. L'hardi douille. Le coupeur montage. Non, mais c'est mignon ce petit truc. Ah, mais je le laisserai. Ah, mais je le laisserai. Moi, alors. Je trouve ça très mignon. Dis-moi, tu veux que je le laisse? Ben oui, ben, je le laisse. Ça fait naturel. Mais ben, je le laisse. Le grand hardisson qui, des fois, l'hardidouille. Il est humain comme les autres. L'hardidouille. Une femme. C'est mignon. Oui, mais moi, il faut laisser ça. Il n'y en a plus, l'hardidouille. Une femme superbe couchée avec vous car elle vous prend pour Gad Elmaleh. Qu'est-ce que vous faites? Gad et le Malais. Elle Gad, est arrivée. Ouais, apparemment, elle a couché avec Gad. Couché Gad derrière. Mais ouais, c'est. Ouais, ah non, pas moi. Moi, j'ai baisé. Moi, je baise. Non, calme-toi.
Il n'est pas là. Ça doit être difficile parce que physiquement, on n'a pas. C'est pas super proche, non? Gad Elmaleh et nous. Mais disons, moi j'y vais quand même. Ouais, moi aussi. Ouais, sur un malentendu, c'est bon aussi. Et après, je lui conseille un opticien. Une femme superbe veut coucher avec vous. Elle vous propose même 1 million d'euros. Personne ne le saura jamais. Est-ce que vous êtes d'accord? Direct. Moi, je pense que ma famille regarde et non. Ouais. Non, je trouve ça scandaleux de coucher pour de l'argent. Ouais. Mais bien sûr que oui. En plus, on ne sait pas. Il n'y a même pas besoin de dire une femme superbe. Ouais, mais ouais. Là, tu... Ah oui, une femme. Une femme normale. Ouais, je vais te dire un mec pour 1 million d'euros. Ramène-moi le chèque. Ramène-moi Guy Carrier. Pour 500 000 balles, je te mets, je... Tiens, donne-moi 500 balles, là. Appelle-moi Shrek. Ah, je suis de son avis, moi. Celle-là. Branchez-vous, Magnéto. Magnéto, Serge. Pourquoi c'est les... Je sais pas, parce que mon Magnéto, il est très haut. Ouais, c'est ça. Mais en plus, il faut 4 boutons, toi. Récord. Magnéto, Serge. C'est pas kiffant d'être sur un même plateau. C'est génial. Natacha. J'ai l'impression d'être chez toi. J'ai l'impression d'être à la. Tu es cher disant. Vas-y, tu te souviens. Moi, je le trouve super drôle. Non, mais parce qu'on a quand même fait sur la tête des trucs. De ma mère. Moi, je le trouve incroyable. Ils m'ont toujours fait. Au carré blanc, au bec fin. Et on savait pas si. Au divan. Ah putain. On savait pas si on allait réussir. On partait en vacances ensemble. Je te dois toujours 1200 francs. Moi, je savais. Oui, il peut plus trouver les francs, il y en a plus. Moi, Thierry, je te jure. C'est pour ça que je rends pas. La première fois. Ta gueule, je pense, monsieur. Je te rendrai jamais ton argent. Bah, je sais, de toute manière. Moi, j'ai trouvé, je rendrai jamais. Qu'est-ce que tu vas me faire? Mais je rendrai jamais ta soeur. Tu peux pas le parle pas de ma soeur à la télé. Je te rendrai jamais tes sous. On continue, vous trouvez? Jamais je te rendrai tes sous. Monsieur, qu'est-ce que tu vas me faire? Tu peux rien me faire. Si, voilà. Vas-y, fais-moi un truc. Natacha. Et dans quel état il est, mon Prumzy? Console-le, regarde. Oh non, vous battez pas. Non, là, ouais. Bah ouais, mais là, c'est le... C'est Ramzy, il est là. Non, vas-y, digne. Digne, regarde. On est au Jamel Club, apparemment. Tout oui, est permis. Ça, ça choque personne qui me jette de l'eau. Alors, c'était de l'eau un petit peu. C'était de l'eau piquante. Ouais. Ah. Oh. Non. Ah, c'est votre Jamel, le salaud. Je m'excuse. Mon pute, tu sais comment. Je m'excuse, j'ai été nul sur ce coup-là. Si tu fais un poutou, c'est excusé. Fais gaffe, il va te faire un coup de trage, crash. Non, un poutou, c'est excusé. Non, un poutou, un vrai. C'est bon. Non. Non, je veux... Regarde, c'est flippant. Je veux une remise. Une remise de chèque. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire poser, mais pas de bruit. Pas de bruit. Et un petit mot gentil dans les yeux. Un petit. Oulala, tu me fais. Oulala, je fais ça. Sérieux, pas de contraste. C'est filmé la France. Vive l'Arabie. Vive l'Arabie, vas-y. Islam modéré. Islam modéré. Non, après le message. Non, le message. Non, tu. Ça se voit, tu veux. Face à face, le message. Action. Mot gentil. Action, message. Tes mains. Ouais, émotion, action. Tu m'as vachement ému. Mais là, tu m'as dit numéro des mains. Je vais tout mouiller. C'est de Dolce Gabbana. De Dolce Gabbana, j'ai jamais pu acheter de Dolce Gabbana de ma vie. Et après, toi, tu viens, tu me mets comme ça, t'as reçu. Vas-y, dis-moi un petit truc. Voilà. Voilà, je suis super pas bien, là. Sur la tête de ma mère, je suis pas bien, là. Vas-y, dis un petit truc, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît, dis un petit truc, Jamel. Jamel. Dis-moi un petit truc. Il va dire le message, il va dire le message. Quoi? Hein? Bien joué. Ouais, j'ai aimé, moi. Mets en scène un peu. Ouais, oui. Action, Jamel, message. Qu'est-ce qu'il y a, Jamel? Pas sincère, Ramzy, pas sincère, trop. Ça, c'est bien, ça. Voilà, c'est bien. Oui. Ramzy, tu peux pleurer à volonté. Action, oui. Pleure. Oui, il faut qu'ils me le disent maintenant, là, c'est relou. C'est toi le meilleur comique du monde. C'est toi le meilleur comique du monde, il a dit. Installez-vous, monsieur le ministre. Islam. Islam modéré. Islam intempestif.
Ah, l'islam progressiste. Ouais. C'est un beau message de l'islam sympa. Ouais. Hein, parce qu'on a toujours l'image de l'islam. Oui, c'est de, vrai, du ça, faux oui. islam en fait. Mmh. Hein, de l'islam agressif. Je suis d'accord. De l'islam barbu et tout. Et là, il y a l'islam classe. Moi, j'aime l'islam bien. L'islam imberbe. Moi qui suis catholique super, je trouve ça génial. C'est vrai. Catholique super. Ah ouais, c'est bien ça. Si je peux être sérieux ouais. deux secondes. Oui. C'est de loin avec eux que j'ai pris le plus de plaisir à la télévision. Hein, sur H. Ah oui. J'ai rarement. C'est vrai, sur H. Mais c'était ouais. les vacances en fait. C'était les vacances. Islam imberbe. Islam rigolo. Islam mignon. Islam mignon. Catholique super. Islam bisounours. Bisous islam. Bisous islam doux. Bisous islam. Doux islam. Le concept. D'islam bisounours. Mais c'est le principal, c'est ça le pire. C'est que moi je connais que ça, ouais. personnellement, qui suis catholique super. Ouais, je connais que des islams doux, des islams bisounours. Des islams secla quoi. Ouais, les islams en costard. Avec, ouais. Il faut remettre l'islam à la mode en non, fait. Mais, tu sais le concept que je voudrais lancer. C'est ça en France. Je te jure, c'est Eric. L'islam mais à la mode. L'islam maintenant, secla. Quoi. Là ça non, fait trop là. Le truc que je voudrais lancer, c'est le concept de gentle beurre. Non mais c'est vrai. Que tous les rebeux de France qui se reconnaîtront dans ce terme. Avec de l'eau ouais. sur ouais, toi. Là, c'est, ouais, là, c'est pas gentle beurre, là. Ou là, t'es là, gentlemanien, toi. Eh bien, c'était qu'on se réunisse tous pour montrer à quel dans point des clubs. On a la classe. Avec et on des ferait cigares. Des clubs. Non, on fumerait des loukoums. Ah, pas con, ça. C'est les gentle beurre. Des magnifiques tapis d'Orient. Et le jour où ça sera bien fédéré, on sera un mouvement très, très fort. Énorme. Et on aura on changera les mœurs à ce moment-là. Gentle beurre. On bosse là-dessus. Gentle beurre. Mais faut une veste, faut une veste. Qu'est-ce qu'on fait? On continue? On continue. Vous trouvez un moyen infaillible de ne pas payer vos impôts, qu'est-ce que vous faites? Moi, ça me gêne, moi, de ne pas payer mes impôts. Non, les impôts, c'est tendu, ça. Bah oui, parce que ça paye des écoles et des routes et tout ça. Non, sérieusement. Mais des routes qui traversent des écoles. Ouais, en plus, ouais. Ça, c'est scandaleux. Ça, c'est pas terrible, ouais. les impôts. Ça, par contre, ça, ouais. c'est le côté des impôts qu'on n'aime pas. Les impôts, ils doivent rebosser ça. C'est une école dangereuse, quand même. C'est vrai. Vous voyez David Douillet frapper un enfant pour lui piquer des pièces jaunes. Qu'est-ce que vous faites? Bonne question. Qu'est-ce que vous faites? Bon, on le tabasse avec lui. Mais en traître. Ah ouais. Une fois que l'enfant est presque inanimé, on vient. Ouais. J'accueille maintenant Frédéric Becbédé. Attends, c'est quoi? C'est lui qui... Il va venir. Il hein, est vraiment mort. Non, Catherine, il a bu trop de vodka. Mais alors, qu'est-ce qu'on va faire, Catherine? Un compte rendu. On va faire une consultation. Il est malade. Il s'est torché dans les loges. Il est torché, hein. Il a bu trop de vodka tonique. J'avais dit de ne pas boire. On peut l'aider, on peut le changer. Il peut vraiment, Catherine, il peut vraiment pas venir. On va le faire, nous. Il est couché par terre dans la loge. Non, c'est pas une blague. Il est couché par terre dans la loge. Catherine. On peut te faire Bec Bédé. Non, hein. Mais Catherine est bourrée. Non, non, Catherine n'est pas. Non, Catherine n'est pas bourrée du tout. Bah écoute, voilà. Moi, donc, je sentais qu'il n'était pas bien quand on était ensemble dans la loge. Ah bon, tu, vois. Ah bon, tu l'as trouvé. Oui, j'ai eu un sentiment. Tu l'as trouvé torché. Je l'ai trouvé un petit peu particulier, quoi. Bien. Il peut pas venir, c'est sûr. On va aller chercher. Elle me dit, quand on vomit, on peut pas parler. J'ai vu des gens ne pas venir à l'émission, mais des gens venir et se bourrer dans la loge et être incapables de rentrer sur le plateau. Et maintenant... voici Frédéric Becbédé. Ce tragédie des Bee Gees, c'était à la fois pour le sujet de votre livre et à la fois pour ce qui s'est passé la semaine dernière. Oui, alors la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien. C'est ouais. de l'eau, hein. C'est de l'eau. Ah, merci beaucoup. Merci. Non, c'est pas de l'eau en plus.
C'est incroyable. C'est quoi, de la vodka? C'est-à-dire qu'ici, on vous sert énormément de vodka tonique. Une fille très charmante, très jolie. Qui s'appelle Andrika. Voilà, qui en topless, elle est très bien, Andrika. Elle passait son temps à venir me voir. Est-ce que vous voulez encore un verre? Je disais oui, etc. Et tout ça se passait d'une manière sympathique, jusqu'au moment où je me suis dit que j'étais trop éméché pour parler d'un livre qui est important pour moi. Bah, qui est important et tout court. Qui est tout un court, livre ouais, assez, ouais. assez grave, et voilà. Mais c'est bien dans la rue, effectivement, là, tous les gens, pendant une semaine, m'ont vous arrêté, demandaient comment j'allais, si je connaissais l'aspégic 1000, l'oxyboldine. Donc, c'est très, finalement, c'est une belle aventure. Votre c'est maman, super la votre, télé. Avec votre maman, vous lui avez dit, je fais Ardisson, regarde, et quand elle vous a vu tomber dans la loge. Ouais, 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 ouais. C'est bah oui, non, je voudrais dire aux gens qui nous regardent, ne faites pas ça chez vous. c'est mal, il ne faut pas. Votre livre est l'événement littéraire de la rentrée. Vous avez décidé, en plus, tellement ça marche, de faire deux télés. Tout le monde en parle. Et CNN, qu'est-ce qu'il y a de plus chic? Je vous le demande. Hein? Être au marche arrive, c'est plus chic, par exemple. Le Figaro Magazine vous appelle le nouveau BHL. Avant, c'était François Nourisson. Ouais, oui, c'est vrai. Maintenant, c'est le nouveau BHL. Voilà. C'est vrai que vous faites beaucoup de choses, hein, même si vous n'avez pas fait de télé depuis quelques temps. Vous êtes toujours critique littéraire quand même, hein, au journal Voici. Toujours DJ dans des soirées, j'espère. Et vous êtes devenu éditeur, Frédéric, entre-temps, directeur littéraire chez Flammarion. Vous dites, Frédéric, que éditeur, finalement, c'est attaché de presse de luxe. Ça peut être aussi comme un portier de boîte de nuit. Vous, ouais. vous dites, toi oui, toi non. Ouais. Toi, reviens dans 6 mois. Ça va pas être possible. Ouais. Toi, ta femme, ouais. oui, mais toi non. Ouais. Etc. C'est un peu comme ça. Vous allez avoir un prix, non? J'ai vu que vous étiez sur la liste du Renaudot et du Goncourt. Il est alcoolique, pas anonyme aussi. Oui, c'est ça. prix du vomi. Ouais. Non, c'est vrai que je pensais à ça. C'est que je voudrais préciser que je n'ai absolument pas vomi. Ouais. Depuis une semaine aussi, les gens me disent « Ah, c'est dégueulasse », etc. Et en fait, le vomi, c'est vachement glamour quand c'est sur MTV, Jackass. Mais quand c'est moi, c'est juste minable. Donc, pas du tout. J'aimerais bien qu'on arrête d'en parler. Ouais. J'ai une réclamation. Vas-y. J'ai pas tellement aimé la musique de l'entrée. J'aurais préféré la musique là, un peu sexy là, qu'on entendait tout à l'heure. Tu veux le refaire? Ah oui, c'est ça. Ça va le. Ça va le. Merci, merci, c'est gentil. Attention, ne bouge pas, Frédéric. Reste en haut des escaliers. Attention, j'accueille Frédéric Becbédé. Non, c'est vachement mieux, excuse-moi. Oui, mais on me dit dans l'oreillette, pas un, pas assez sensuel, deux, il n'a pas assez joué de la musique. S'il a joué, non. Énorme. Non, c'est vrai, t'as raison, j'étais très, très en dessous. Fois, il a été très sobre, on le refait. Voici Frédéric Becbédé. Il faut savoir, quand même, Dominique, il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, Frédéric Becbédé est un des deux auteurs les plus vendus à l'étranger. Et quand on te voit en France, c'est vrai, tu comprends pourquoi. C'est vrai que ça se remarque. Tu comprends pourquoi nul n'est prophète en son pays, parce que les gens qui te voient là, voilà. Prennent pour un clown. Voilà. Pourquoi est-ce qu'un écrivain devrait être chiant? Oui. Parce que c'est la règle. Oui, ben non. Donc, Frédéric Becbédé, c'est vrai que vous avez cette image, Frédéric, de dandy. Vous êtes surnommé vous-même Mondanitor, le José Bové du Flore, le Gramsci de la branchitude. Et vous dites, de toute façon, même si je me suicidais, on dirait que c'est un coup marketing, quoi. Ben, c'est-à-dire que j'ai été victime du succès d'un livre qui critiquait ce système dans lequel nous vivons et que Dominique Voynet conteste également dans ses excès. Qui est le système de la surconsommation matérialiste, capitaliste et publicitaire. Donc, c'était un livre satirique, très violent, et les gens m'ont pris pour le héros. Et depuis, évidemment, chaque fois que je dis quoi que ce soit de rebelle ou d'un peu révolté,
je suis ridicule parce qu'en même temps, j'appartiens à ce système et j'adore ça. Voilà. Ouais. Et non, je crois bien, c'est qu'à l'étranger, vous dites qu'à chaque fois que je vais à l'étranger, on me demande mon avis sur des sujets super importants. Je crois qu'ils me confondent avec Eric Emmanuel Schmitt. Oui, oui. Ouais. Mais, non, c'est assez agréable, tous ces voyages. Je reviens qu'ils savent de... pas là-bas. Ils savent pas, ils m'ont pas vu me rouler par terre dans les boîtes. Et du coup, je suis hyper crédible et je peux presque tenir des propos aussi sérieux que ma voisine de droite, qui en réalité est de gauche. Oui. Voilà. c'est bien, bien. Alors le problème, effectivement, c'est ce que je disais, c'est que cette image masque un vrai succès international. Vous êtes donc le romancier français le plus vendu dans le monde avec Houellebecq. Donc vous êtes deux finalement, ce qui n'est pas énorme pour un pays comme la France. Alors 99 francs a été traduit dans 25 pays. Mm-hmm. Windows on the World vient de recevoir en Angleterre le prix de The Independent, qui est le super prix. Donc c'est vraiment le truc, c'est une espèce de super concours anglais, quoi. Voilà. Mais fais pas le timide, Frédéric. C'est-à-dire, il y a le prix Nobel, bien sûr. Ouais. Moi, je suis juste en dessous, humblement. Très, très modestement. Alors, c'est un prix qui est remis par la reine Elisabeth, c'est incroyable. Et donc, Frédéric, vous recevez... Tu te cochonnes. Ouais, d'accord. Quand même. Excuse-moi. What did you say? I don't get it. I'm sorry. Il fait son raffin. Donc voilà, donc, c'est incroyable ce prix, c'est énorme. C'est pas encore officiel, donc je demanderai à tous les gens qui ont vu l'émission de ne pas le répéter. D'accord. Ouais. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Windows on the World donc, sort aux USA chez Miramax, qui est quand même pas rien. Miramax, c'est les frères Weinstein, hein, quand même. J'avais l'exemplaire. On l'a ici. Ouais. D'ailleurs, il est très beau en Amérique. Je reconnais que les Américains, ils ont quand même ces hardcovers. Hein. Ouais. Non mais c'est incroyable ce qu'il écrit derrière. Et t'as pas vu le râteau qui s'est mangé. Double râteau. Hey, en même temps, il est habitué, hein, parce qu'avant d'être célèbre, c'était tous les jours les râteaux. C'est ça, mais oui, mais là, c'est là, même... Le succès l'a un peu embelli, mais les râteaux... Avant, c'était Nicolas le jardinier, maintenant il s'appelle. Windows on the World, donc publié chez Miramax, est déjà chroniqué par le Harper's Bazaar, le New York Times, le San Francisco Chronicle. Donc voilà, j'essaye de dire quand même une chose, c'est que Frédéric... Le Los Angeles Boom Boom. Je ne sais pas. Très bon article. Non, c'est vrai, nul n'est prophète en son pays, finalement. Ça a des explications, je veux dire, vraiment, moi, j'assume la responsabilité de mes actes, j'ai pas une biographie qui correspond aux clichés et aux stéréotypes de l'écrivain modèle en France. Modeste non plus. Et c'est vrai que voilà, c'est Flaubert dans sa ferme, Marcel Proust dans sa chambre tapissée de liège. Ouais. Non, moi c'est plutôt voilà, la télé, les râteaux. Ne retourne pas. C'est un autre esprit. Attends, mais en 20 temps, minutes, qu'elle oublie que tu l'as tenté, parce que là, sur la défensive encore. Oui, non, t'as raison, faut pas. Mais souvent, j'ai remarqué, tu annonces la couleur, tu prends un râteau. Et la fille, quelquefois, elle se dit « Oh zut !» Elle se met à regretter. Ouais. Pas tout le temps. Quelquefois. Pas tout le temps. Et là, tu sens du regret autour de toi ou pas ? Quelquefois. Elle se dit après, finalement, lui au moins il a essayé, alors que les autres pas. Donc, mais non, je dis ça en l'air. Hein, c'est pas... Hey. Alors, vous publiez chez Grasset un nouveau livre. Tout à fait, Thierry. Qui s'appelle L'égoïste romantique. Donc c'est le journal de votre hétéronyme, Oscar Dufresne. Voilà. Hétéronyme, ça veut dire un homonyme hétérosexuel, en fait. C'est-à-dire, on est soit homonyme quand on aime les garçons, soit hétéronyme quand on aime les filles. Oui, c'est un homonyme avec un autre nom. Dominique a très bien résumé. Et c'est pratique parce que quand on veut parler de soi, le meilleur moyen, c'est de se déguiser, de mettre un masque. Et c'est ce que j'ai fait avec ce livre. Voilà. Alors, vous dites, Oscar, c'est celui qu'on croit être Frédéric Becbédé. Et en fait, dans le livre, vous êtes plutôt Ludo, l'homme marié, que Oscar. Ouais. Oscar, c'est un peu votre rêve d'homme, d'une certaine façon. Oui, c'est un peu aussi le fantasme de tous les hommes de ma génération. C'est-à-dire, voilà, il est très cynique, très riche, célèbre, beaucoup de succès avec les femmes, assez lâche aussi, égoïste, obsédé sexuel, bien sûr. Un homme, quoi. Un type normal. Ouais. Somme toute. Hein? Donc, c'est très défoulant et en même temps très tragique comme destin, puisque au fond, ce type-là, il est paumé, il n'est pas heureux du tout. Mmh. Et si on lit bien le livre, vraiment attentivement, avec les sujets, les verbes, les compléments, on s'apercevra que c'est une tragédie. Alors, l'égoïste romantique, c'est un oxymoron.
Oxymoron, c'est... C'est quand la force on... tranquille. La force tranquille, c'est un oxymoron. Deux mots qui vont pas ensemble. Deux termes un peu opposés qui... Je sais pas, comme un nain géant. Voilà. Avec bébé modeste. Un pléonasme. C'est l'inverse d'un pléonasme. Exact. Donc un oxymoron, c'est la force tranquille. Et vous dites, je suis un oxymoron sur pattes. Ben oui, parce que égoïste... Tout le monde l'est, peut-être, et de plus en plus, dans un monde d'individualisme, etc. Et en même temps, ça serait plus simple si on l'était vraiment. En réalité, on est également romantique. C'est-à-dire que vous dites, c'est, les hommes ne sont pas seulement guidés par le sexe, ça serait trop simple. Il y a les couilles. Il y a Bridget. C'est important, Thierry. Bien sûr, non. C'est pas ça qu'il veut dire, Laurent. Ce qu'il veut dire, c'est que Bridget Jones se trompe en pensant que les hommes ne sont mus que par le sexe, ça serait trop facile, évidemment. Il y a aussi toute une part romantique chez l'homme. Ce qui est beaucoup plus dangereux, d'ailleurs. Bien sûr, les hommes tombent amoureux, envoient des fleurs, écrivent des lettres d'amour, et c'est beaucoup plus douloureux. Ce serait plus simple si c'était que physique. Vous en déduisez, Frédéric Becbédé, l'impossibilité du couple. Comme disait Aragon, il n'y a pas d'amour heureux. Donc, voilà. L'homme étant égoïste et romantique, le couple ne peut pas marcher. Voilà. Et d'autant moins dans une époque où tout a volé en éclats. C'est-à-dire que depuis les années 60, liberté sexuelle, contraception, divorce facilité, plus de famille, plus de religion, les 35 heures, le RMI, enfin bref, tout explique l'explosion du couple. Non, c'est vrai qu'il y a... Alors, à un moment, il dit « Je ne vois plus le couple comme une prison, mais comme un port d'attache. Ouais. » Moi, je suis un optimiste, je suis pour que ça marche. Et je suis un désastre ambulant qui va d'échec en échec. J'en suis absolument pas fier. Et Oscar... Il faut dire que tu as fait un livre qui t'a porté malheur au départ, c'est L'amour dure 3 ans. C'est une malédiction. C'est une malédiction que tu as maintenant. Ouais. Hein. Mais malheureusement, autour de moi, je déplore de vérifier très souvent la véracité seul, de ce titre. Ouais. Ouais. Alors, le problème de la génération Becbédé, effectivement, c'est qu'elle est nourrie de deuxième degré, d'autodérision. C'est l'époque des anti-héros, la fin des idéologies, la destruction des valeurs. Et c'est vrai, on voit bien, parce que le héros de son bouquin, Oscar Dufresne, quand même, faut dire que son rêve absolu dans la vie, c'est de partir sur une île avec 3 mannequins à la chatte épilée, franchement. Est-ce que c'est un idéal imbécile, quoi? Mais bien sûr, mais c'est un anti-héros. Oui. De même que Meursault ou Roquentin. Oui. C'est ce que j'aime, c'est les losers, finalement. Oui. Sauf que c'est beaucoup plus sympathique, un héros qui est nul, qui a des désirs nuls, qui est perdu, et qui en même temps voudrait être heureux. Parce que je pense qu'il ressemble un peu à chacun de nous, quand même. Il est trop mignon, en fait. Oh. Alors voilà, alors au-delà de tout ça, il y a évidemment un style impeccable. C'est clair que vous avez le sens de la formule. Demander une fille en mariage, il n'y a pas mieux pour meubler une conversation. C'est vrai, en plus. Oui. Le problème, c'est les conséquences après, mais en même temps, je sais pas. C'est la cérémonie après. Ouais. Longtemps, je me suis couché débonnaire. Enfin, il y a des phrases rigolotes. Il y en a une, quand la femme n'est pas niquée, elle est paniquée. Enfin, c'est pas de vous, c'est d'Oscar. Hein. Je pense que Béatrice approuve. Ouais. Plus oui. Ouais. Non, c'est-à-dire que souvent... là où un autre auteur plus prestigieux et plus académique peut-être hésiterait, moi j'y vais. Ouais. Parce que je crois que... C'est la différence entre toi et Troya. Voilà. Moi j'y vais, tant pis, c'est vrai que c'est peut-être un peu lourdeau, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Je suis désolé. En même temps, c'est vrai. Mais toi, t'aimes pas Jean Rocasse, t'aimes personne. J'ai une question. Si c'était pas vous qui l'aviez écrit, vous le conseilleriez? À moi, par exemple? Oui, parce que je crois que c'est un grand livre. Et menteur, en plus. Vous dites aussi, plus je gagne de l'argent, moins ma vie est enrichissante. Ben, c'est... C'est vrai. Sérieusement, les gens ne se rendent pas compte chez eux, mais c'est pas facile d'être riche. C'est vrai que là, on a vendu vraiment le truc comme une révolution de la syntaxe littéraire, quoi. Un vrai truc ambitieux. Non, c'est vrai que c'est un livre assez désespéré. Vous dites, les hommes sont toujours entre une ex et une future, entre la nostalgie et l'espoir, coincés entre deux absences. C'est le problème de la gente masculine, d'avoir besoin de conquérir, de voyager, de séduire, et peut-être moins que les femmes de construire, d'être équilibrées. C'est une folie qu'on a. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe, Dominique? Dominique, peut-être. Moi, Dominique est sous le charme. Je connais plein de femmes qui sont comme des hommes là-dessus. Mais c'est ça que j'allais demander. Mais je trouve. C'est quoi la différence? Je crois que c'est vrai aussi, oui.
Construire. Moi, j'ai l'impression que chacun fait comme il peut, quoi. Et oui, tu vois, qu'on se met tous à poil pour casser un peu dans ce carcan, là. Et je voudrais dire, j'adore la légèreté. Oui, mais je pense, c'est très fort, légèreté. Je pense, comme Lao Tzu, que la gravité est la racine de la légèreté. Ah. Et que faut pas s'arrêter à la surface paillette, débile de ce genre de prestations. Parce qu'en réalité, je crois que c'est mon livre le plus intime et le plus sincère. Voilà, maintenant, parlons d'autre chose. Ah, il faut refaire l'entrée, on me dit. Tu sais ce qu'on va faire maintenant ? On va faire une interview à Alain Delon. Pour vous, Frédéric Becbédé est synonyme de quoi ? Alors, ça dépend dans quel pays. En Lituanie, c'est synonyme d'orgasme. mais si vous prenez l'Ukraine, la Biélorussie et aussi le sud de la Bulgarie, alors là, c'est synonyme de dollars. De dollars contre des services. C'est triste. Est-ce que vous pensez... Bah, c'est un râteau, là. Non, c'est mais pas Dominique, un râteau, là. Dominique, t'imagines c'est que un regard. C'est l'écrivain français. Non, attendez. T'imagines écoutez, que c'est l'écrivain français le plus vendu à l'étranger, t'imagines. Mais il y en a marre, parce que ouais. là... Qu'est-ce qu'elle a fait, J'ai rien fait, pour une fois, j'ai rien fait. Tu veux pas te laisser faire. T'as bien raison. Et moi, j'en suis bouche bée. Seulement. Je ne suis pas en train d'essayer non plus. Enfin, il ne faut pas arrêter de croire que je suis Gonzague Saint-Brice. Ou je sais pas. Là, d'un seul coup, si le studio brûlait, tu sauverais laquelle, là ? Bonne question, Laurent. Laurent en a sauvé une. Moi, je suis sûr que je cours plus vite sans lui. Est-ce que vous pensez que Frédéric Becbédé est un grand écrivain ? Frédéric Becbédé en est persuadé. Mais Oscar Dufresne n'est pas d'accord. Est-ce que Frédéric Becbédé atteint aujourd'hui une certaine sérénité ? Frédéric Becbédé cherche la sagesse. il essaie d'être honnête. Ouais. C'est déjà un début. Bien sûr. Mais la sérénité, à mon avis, il ne la trouvera jamais. Jamais ? Non. Jamais. Jamais, sauf jamais. Dans le coma. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est vrai, on dit que Frédéric Becbédé, ces derniers temps, aurait passé beaucoup de temps avec des top modèles dans des boîtes topless et... Alors, on raconte que Frédéric Becbédé a ce genre de vie. Oui. C'est très exagéré. Oui. C'est très exagéré. Les photographies qui circulent en ce moment sur le net sont de grossiers photomontages. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pensez que Frédéric Becbédé doit beaucoup à son physique ? Non. Là. Tu vois, alors là, personne n'a remarqué, mais c'est moi qui lui ai foutu un râteau, là. J'ai rien demandé. Ah, je suis désolé. Alors, c'était flagrant. C'est sur toi, là, oui, j'ai vu. Oui. C'était flagrant. Ouais. Je sais pas si Serge l'a eu, mais c'était... Y a pas un replay, non. Est-ce que vous pensez que Frédéric Becbédé laissera une trace dans la littérature ? Frédéric Becbédé... j'adore la littérature. En fait, j'adore cette interview parce que j'adore parce qu'on prononce souvent deux mots que j'aime bien qui sont Frédéric et Becbédé. Deux mots qui... C'est pas facile à dire comme nom, hein. Laisser une trace n'est pas le but ultime d'un écrivain. Il est de formuler des émotions, de peut-être immortaliser des instants éphémères, mais pas nécessairement de s'immortaliser lui-même. Oh, je crois que c'est beau, ça. Je crois pas que ce soit le but. Pas plus avec des trucs pareils, putain, c'est énorme. Comment ça se fait ? Attendez, il est tôt. Est-ce que Frédéric Becbédé est fier de faire fantasmer 3 milliards de femmes ? Alors, comment dire ? Frédéric Becbédé voudrait qu'on revienne sur cette statistique. Oui. Parce que la planète, donc il y a 6 milliards d'habitants, vous m'arrêtez si je me trompe. 6,5. Mais il y a plus de femmes que d'hommes. Oui. Donc c'est plutôt 3 milliards et demi de femmes qui fantasment sur Frédéric. Est-ce que Frédéric Becbédé est fier d'être une star au Japon ? Mais Frédéric Becbédé aimerait bien, mais ça n'est pas le cas. En Russie, oui. En Slovénie ? En Turquie. En Pakistan ? En Allemagne, mais alors pas du tout au Japon. C'est très, très... Il y a un gros problème au Japon. Il faut absolument faire quelque chose. Si on pouvait lancer un appel. Est-ce que TV5 diffuse l'émission au tout Japon ? Tout à fait, au Japon, bien sûr. Voilà.
Tu peux en parler à Alain Delon. Parce que ouais. Je suis traduit au Japon, mais alors c'est un bide total. Ah bon? Ah oui, absolument. Comment dire râteau en japonais? Ils comprennent pas ton humour au Japon. En plus, comme j'ai adoré le film de Sofia Coppola, j'adorerais aller traîner dans un hôtel tout seul, bien au sûr. Japon. Est-ce que Frédéric Becky est avec qui pour jouer le rôle de la fille? T'as pas remarqué l'énorme feeling qu'il y a eu là? Il y a eu un courant justement, qui est passé. Je t'amène la suite. Ouais. Là, je peux vous dire, Nicolas le jardinier, va te rhabiller. Voici Gwen Stefani. Bonsoir. Je suis scotché. Ça fait 3 ans que je vous attends, voilà. Really? I've been waiting 3 years. Moi, j'attends aussi depuis 3 ans. Gwen Stefani a déclaré : je suis juste une fille de Orange County qui fait de la musique avec ses amis. Il n'y a pas de quoi faire toutes ces histoires. Mais en fait, il y a ça quand même, Didier. Gwen Stefani avec le groupe No Doubt. Et elle est toujours avec 4 jeunes filles qui s'emmerdent derrière elle. Toujours, ouais, ouais. Ah d'accord. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques, mais elles bougent pas une oreille. Hein. Gwen Stefani, elle est géniale. Elle a compris la trad, là. It's a French television, yeah! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! Bravo. French guys. It's a French song. All over the world, the French guys. Yeah, yeah. Vous le voulez ou non, on est là. Ouais. Elle est formidable, non, Gwen Stefani? Tu trouves pas qu'elle est super, beauté, non, elle est extraordinaire. Super, ouais. Mais tous ces clips sont magnifiques. C'est la nouvelle grande star mondiale. Merci. On est très heureux de vous avoir. Mais il y a des personnes derrière elle qui sont très inquiétantes quand même, hein, pour savoir. C'est vrai. Vous faites quoi après? C'est mon rêve en fait. Je suis étonnée que vous arriviez à les voir. Vous les voyez vraiment? It's a dream. C'est mon fantasme. C'est un rêve. J'étais pas courant. Vous les voyez aussi? We can see. Yes. We can see Japanese girl behind you. Yeah. You can. Yes. It's a miracle. Comment tu la trouves, Gwen Stefani, Guillaume? Je suis charme total. Ouais, complètement. Ouais. Moi, je suis fan depuis très longtemps. Ouais. J'adore sa voix, j'adore ses clips, j'adore... On a tous envie de baiser, Guillaume, d'accord? Je te demanderai de rester calme, alors, ok? Oh! Nature! Non! Je joke! Je suis un comique vulgaire. Je suis le comique le plus vulgaire en France. Voilà! Ok. Tu vois, ça marche. C'est son job, ouais. Alors, vous avez remarqué, Gwen, que je ne vous ai pas parlé de votre vie privée. Je ne vous ai pas demandé la dernière fois que vous êtes disputée avec Gavin. Je suis très discret. Vous remarquez à quel point je suis discret. Who is Gavin?
Ah. I noticed that, yeah. Oui, j'ai remarqué. D'ailleurs, je suis ravie. J'en suis ravie. Merci ceci beaucoup. Étant, ceci étant. Oui, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de respect dans cette émission. Ah, oui, donc, vraiment, merci. On est très discret. Vous avez remarqué, on est très discret. Ceci étant, vous aimez bien les ragots, vous aussi, quand Bruce Willis s'engueule avec Demi Moore ou quand Kate Winslet se sépare de son Jules. Ça vous intéresse? Yeah. Oui. Vous comprenez pourquoi on s'intéresse à Gwen et à Gavin en même temps? Possibly. Oui, je peux comprendre. Are you really gonna go there? Vraiment, vous allez me poser des questions sur ce sujet? Non. Oh, thank you. Merci. Non. Je ne vais pas vous poser des questions sur ce sujet parce que je sais que ça vous embête. Et moi, j'ai aucune envie de vous embêter. Thank you, I'm already scared enough. Merci, j'ai très peur. Est-ce que vous allez retravailler avec No Doubt? Oui, c'était simplement un projet que j'ai fait comme ça, c'était sympa. Alors on va faire une interview, No Doubt. Alors Gwen, est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur la qualité des chansons de votre album? Non. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur votre capacité à faire une carrière solo? Encore une fois, je ne crois pas que ce soit vraiment un album en solo. C'est juste un projet. Alors je dirais oui, j'ai déjà eu des doutes. C'est un side project. Yeah. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur votre talent? Oh my God, these are so embarrassing questions. C'est gênant, ces questions. Bah non, attendez, ça c'est les moins gênantes que je pose, moi. You know what? Okay, I have. Bon. I didn't have any. You know what? I found my passion. Alors, en fait, écrire des chansons, c'est ma passion. Et lorsque j'ai découvert que je pouvais le faire, eh bien, je me suis découverte. Donc, j'en suis dépendante et j'adore faire ça. Vous avez déjà eu des doutes sur la fidélité de votre mec? Gavin. Non. Vous savez où il est là, tonight? He's here right now. Oui, il est là. Il est là. Il va pas tarder à venir vous voir si vous continuez comme ça. Ok. Il est fort. Il est. He's sitting right downstairs. Oui, il est en bas des escaliers là. Il est prêt à venir. Il est prêt à venir avec ses bandes gocks. Mais pourquoi il vient pas alors? Fais péter le Gavin là, Corrigan. Il est où ce Gavin? Gavin! Come on, Gavin, come on! Alors? Il a peur que je. Il dit qu'il a peur que je lui casse la gueule. Mais non! Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur la présence d'armes de destruction massive en Irak? Ooh, that was a serious one. Oula, question sérieuse. Let me put it to you this way. I'm a songwriter. J'écris des chansons, je viens de Californie, j'ai grandi à côté de Disneyland. Alors, mon avis sur la question... Non, moi j'écris des chansons. Est-ce que vous avez eu des doutes sur la réélection de George Bush? Possibly. Oui, peut-être. You know, I voted. Vous savez, j'ai voté. I'm not celebrating. Et je ne fais pas la fête, là. D'accord, on a compris. Vous avez déjà eu des doutes sur l'existence de Dieu? Non. Non. Vous y croyez? Yeah. Oui. You're a believer? Yes, I am. Yeah. I believe! Non, c'est les monkeys! Excuse me. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes sur l'existence des extraterrestres? Je crois en E.T. Ah! Oh, petit. Ah, c'est une vraie Californienne alors. Ouais. Elle croit qu'il a vraiment existé, E.T. Oui. Vous avez déjà eu des doutes sur la propreté des Français? Attention! Oh. Vas-y. Nice, actually. Ça sent bon. Je suis lavé la semaine dernière. J'adore les Français. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes
sur l'intérêt d'être célèbre. Ben, vous savez quoi? Je crois que ce qui est super avec le succès, c'est la liberté. Et je ne serais jamais ici avec vous, en France. Je ne voyagerais pas autant si je n'étais pas aussi célèbre. Et c'est ce que j'aime. J'aime la liberté parce que ça me permet de créer. Et je suis infiniment reconnaissante à toutes ces personnes qui m'ont permis d'être là. Et non, je ne changerai pas. Merci, Gwen. Good. J'ai l'impression que j'ai de la chance. Merci Gwen, thank you very much for coming. Comment tu la trouves alors? Je sais pas, moi je la connaissais pas du tout. Et c'est une énorme star, c'est Madonna à côté, c'est plus rien maintenant. Si tu ah bon? Ah ouais. C'est incroyable, hein, parce que, toi, là, je me rends compte que je suis devenu vieux ou non. Je sais pas quoi, parce que je soupçonnais même pas son existence. Ah bon? Mais elle a l'air d'être bien entourée, parce qu'elle a des clips d'enfer, et puis... De la bonne zik, en plus, tu vois. Ouais, ouais. Super. Ouais. Mais il faut voir au Plumard, vraiment, pour s'en rendre compte. C'est pas Guillaume, toi, tu l'adores, non? T'es comme moi, non? Ouais, moi je l'adore. Hein? Moi je l'adore. Je trouve qu'elle a une voix formidable. Elle est extraordinaire. Hein? C'est l'anti Britney Spears, parfait. Ouais, parfaitement, absolument. Oui. I see you. J'accueille maintenant Didier Lestrade. Didier Lestrade, bonsoir. Vous êtes journaliste à Tétu, cofondateur de Act Up. Vous avez déjà publié 2 livres chez De Noël, dont Act Up, une histoire, et vous publiez aujourd'hui The End, toujours chez De Noël. Vous partez d'un constat simple. Depuis l'arrivée des trithérapies en 1996, le sida ne fait plus peur. C'est ce qui explique le phénomène du bareback. Alors le bareback, pour nos amis téléspectateurs qui ne seraient pas au courant. C'est l'abandon de la capote. C'est un nouveau style de vie après 25 ans d'épidémie où des gens sont fatigués de la capote et ils finissent par revendiquer le fait de refuser la capote. Et je crois que ce livre, c'est la première fois qu'on fait un livre sur la prévention en milieu gay parce que je suis très inquiet de ça. C'est quelque chose qui, après 15 ans d'activisme, me fait beaucoup de mal. Et de voir que l'épidémie reprend chez les homosexuels, c'est forcément un moment... Bien sûr, c'est un sujet grave, mais c'est un moment, c'est quelque chose... C'est un sujet qui mérite quand même qu'on s'insurge. Et non seulement à l'intérieur de son propre groupe, c'est-à-dire que moi, je me suis toujours battu dans la lutte contre le sida et je suis un peu triste quand je vois que les choses commencent à tourner mal. Quoi. Oui, quand on lit votre bouquin, on a l'impression que c'est un peu « rien ne va plus chez les homos », la communauté perd-serre-perd. C'est un peu, excusez-moi, il n'y a plus de morale. Quoi. Les jeunes, par exemple, qui arrivent à 20 ans, ils n'ont pas vraiment connu ce qu'on a connu, nous. Moi, je suis sur repos depuis 17 ans, et c'est vrai que même quelqu'un de mon âge, c'est très difficile de parler à un jeune et de leur expliquer en quoi c'est vraiment important de rester séronégatif. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Et c'est vrai que moi, ça fait depuis 5 ans, 6 ans que je vois cette idée de bareback grandir de plus en plus dans la communauté gay. Et à un moment, on a cru que c'était un fantasme, que c'était un délire de ma part. Et je crois que maintenant, on a des chiffres qui montrent que d'année en année, ça augmente dans tous les pays qui sont autour de chez nous. Et je crois que 20% d'augmentation en Angleterre l'année dernière, pour une seule année, ça veut dire qu'il suffit 5 ans comme ça et on double le nombre de cas de sida. Alors, les barebackers, pour vous, c'est un petit peu des kamikazes, quoi, des kamikazes nihilistes qui disent après moi le déluge. Il y a une partie des gens qui ont vraiment envie d'être
d'être nihiliste, oui, mais il y a aussi des gens tout simplement qui baissent les bras. Hein, ouais. Qui baissent les bras parce que c'est vraiment très dur de considérer que tous les jours, il faut mettre la capote. Et je crois que la prévention était vraiment dans une situation vraiment de crise en France. Mmh. C'est-à-dire que les associations, je crois, ont baissé la garde, vraiment. Et je crois que l'État en profite. Et que du coup, à partir du moment où on ne parle pas de prévention, eh bien, les gens sont désemparés. Ils ne savent vraiment pas ce qu'il faut faire. Le sentiment qu'on a, Didier Lestrade, c'est que vous voulez mettre une morale dans tout ça. Et on revient un petit peu sur la problématique que développait Soral ici la semaine dernière, c'est-à-dire il y a une homosexualité subversive et une homosexualité normative. Et que vous êtes plutôt partisan de la seconde. Mais non, parce que j'ai 46 ans et j'ai fait partie de l'homosexualité subversive, mais c'était avant l'arrivée du sida. Ça va être subversif aujourd'hui quand il y a 42 millions de personnes qui sont touchées par cette maladie. C'est quand même pas possible. On s'est battu, moi je me suis battu pendant 13 ans pour qu'il y ait des traitements. J'ai rencontré tous les laboratoires pharmaceutiques. Enfin, c'est mon travail à ACT UP. J'ai fait chier les laboratoires pharmaceutiques et le gouvernement. Et maintenant qu'on a les traitements, qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir les traitements, il y a des mecs qui veulent être subversifs en disant je vais oublier la capote. C'est pas de la subversion, c'est tout simplement de la connerie. Et à un moment, il faut leur rappeler que c'est non seulement un respect de soi-même, mais un respect des autres. Ouais. Alors, c'est un petit peu... Déçu, c'est le sentiment qu'on a en lisant votre livre, déçu parce que finalement dans la communauté gay, l'individualisme a remplacé l'idéalisme. Je crois, oui, un peu, mais je crois que c'est un peu le principe d'immersion. Je crois qu'il faut que les gens aillent mal pour qu'ils se ressaisissent. Et je crois que c'est ce qui s'est passé au début du sida. Vous savez, les gens se sont mobilisés au début du sida parce qu'ils avaient peur. Ouais. Les gens se sont pas pris la capote parce que c'était fun. Ils ont pris la capote tout simplement parce qu'ils avaient vraiment peur de mourir. Et je crois que maintenant, les gens ont oublié ce que c'est cette maladie. Moi-même, il suffit de voir mon visage, il est marqué et tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que... Vous ne voyez plus maintenant des images de malades à la télé. Vous n'en voyez plus dans les journaux. Et à partir du moment où les trithérapies sont arrivées, c'est vrai qu'on a commencé à dire « Bon, ben, les médias ont été contents de considérer que c'était un sujet qu'on pouvait mettre de côté pour pouvoir parler d'autre chose. » Non, mais c'est vrai qu'il n'y a plus cet enthousiasme qu'il y avait au départ. Vous dites par exemple la banalisation du sexe. Vous citez un exemple dans votre bouquin. Vous arrivez dans un mini-bar cuir, il y a un mec qui est en train de sucer un autre en se faisant enculer. Il continue à discuter comme si de rien n'était. Ouais. Vous dites que finalement il y a une espèce de banalisation du truc, quoi, que ce n'est même je plus glamour. Je crois qu'il y a surtout des rapports qui sont plus difficiles maintenant entre homosexuels et je crois que c'est le fond du problème. Mmh. C'est le fond de ce livre. Pourquoi l'épidémie reprend chez les homosexuels? C'est parce que je crois que ils sont très durs les uns envers les autres. Et ils ont des systèmes de drague maintenant qui sont vraiment... qui passent pas par le dialogue, qui passent pas par... on n'a pas envie de savoir qui c'est, on n'a pas envie de se connaître. Il y a vachement de mecs qui ont vraiment très peur de tomber amoureux aujourd'hui. C'est quand même le monde à l'envers. C'est la culture du backroom, quoi. On y va pour baiser. Oui. C'est la culture du sexe qui est disponible, qui est bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a eu un effet un peu pervers. C'est-à-dire que cette banalisation du sexe a fait que maintenant, les gens ont vraiment du mal à communiquer. Et je crois que... Enfin... Le sexe, c'est bien, mais c'est quand même juste un moyen. Quand même, l'idée, c'est quand même de pouvoir se rencontrer et de pouvoir... À un moment, quand vous avez peur de parler à quelqu'un parce que vous avez l'impression que vous parlez trop ou peut-être vous ne dites pas les choses qu'il faut faire, je veux dire, ça veut dire que les rapports de drague et les rapports de communication commencent à être un peu pervertis, je crois. Vous en pensez quoi, Gérard, cette espèce de... On pourrait dire d'effondrement des valeurs, d'une certaine façon, enfin des valeurs homosexuelles en tous les cas, des valeurs de la communauté gay. On parle des backrooms, des choses comme ça, je pense que c'est très parisien et très citadin, il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est. Donc il y a aussi des homosexuels qui ne vont pas dans les backrooms, qui se suspensent mettant des doigts et des mains et des machins, et qui s'aiment et qui font l'amour normalement. Quoi. Oui. Je veux dire, c'est... Il n'y a pas un ghetto, autant de ghettos qu'on peut penser, voilà ce que je veux dire. Non, mais ce que je veux dire, à partir du moment, si vous savez, dans un mois, il va y avoir les premiers chiffres officiels de la remontée. Là-dessus, je suis entièrement d'accord avec vous. Non, mais je vous dis, si dans un mois, vous avez une remontée vraiment effective de l'épidémie chez les homosexuels, que vous alliez dans les backrooms ou quoi, tout le monde sera vraiment concerné par ça. C'est qu'en fait, c'est vrai qu'il y a une façon simple d'être homosexuel. Il y a eu la façon d'ACT UP qui était très militante. Trop militante. Attendez, on n'a jamais été trop militant. N'oubliez pas qu'en France, on a réussi à influencer la
la distribution des médicaments qui ont sauvé des dizaines de milliers de vies. Et vous pouvez dire, il y a bien sûr, Actum ne peut pas être bon, et d'ailleurs je passe une grande partie de mon bouquin à les critiquer, mais ce que je veux dire, en tout cas sur les traitements, on a fait un boulot qui est vraiment exemplaire dans le monde. Exemplaire. Vous êtes un peu les José Bové de la capote, quoi. Mais oui, c'est pour ça que je l'admire. Bien. Alors, quelqu'un que vous admirez pas du tout, hein, c'est Eric Rémès. Ben oui, parce que je crois que c'est un des deux écrivains homosexuels qui a fait, qui a basé sa carrière sur le fait de dire que abandonner la capote c'était plutôt fun. Et moi, en tant que militant, je ne peux pas accepter ça. Je suis obligé de me mettre en colère. Il est là. Voici Eric Rémès. Eric Rémès, journaliste, Libération, Novamag, Guépier, auteur notamment de Serial Fucker, journal d'un berbécoeur en 2003 aux éditions Blanches, où vous expliquez comment plomber un partenaire. Tout à fait, donc ça c'était un roman, donc je suis venu il y a un an et demi expliquer les problèmes du barbac dans la communauté gay. J'ai fait mon devoir de renseignement et d'information. Je suis journaliste donc depuis 15 ans, je bossais à Guépier quand Didier était à Guépier aussi. Après j'ai fait des articles, je suivais les apps d'Act Up pour Libération. Ouais. Donc j'ai toujours fait un travail de prévention. C'est-à-dire qu'à un moment on pouvait vous soupçonner de faire l'apologie du barbac en expliquant exactement comment il fallait faire pour couper le bout de la capote, pour faire un trou avec une aiguille, pour être sûr de contaminer son partenaire. Et aujourd'hui, vous dites, en fait, j'ai fait tout ça pour des raisons de prévention, en fait. C'est un travail de journaliste que j'avais fait aussi. Je dis ce qui se passe exactement dans certaines backrooms, comme Didier le fait. Ouais. Voilà. Mais en fait, d'accord avec ça, Didier ? Mais non, c'est trop facile d'écrire des trucs dans les bouquins et de passer à la télé pour dire c'est juste un roman. Je veux dire, tous les PD qui connaissent Eric Rémès vont sur son site et il sait ce qu'il a écrit. Il a encore donné une interview à un an où il disait que ça fait plusieurs années qu'il baisait sans capote et qu'il chopait toutes les MSC du monde, qu'ils se sont contaminés et qu'il disait grosso modo que c'était tout à fait cool. Je veux dire, c'est trop facile. Moi, je suis un libérateur. Non, grâce à ma trithérapie, c'est un double discours, bien, tout ça. C'est un double donc discours. Donc, je me permets de faire ce que je veux. C'est vrai, vous l'avez écrit dans Serial Fucker. Oui, je l'ai écrit, bien sûr. Ouais. J'ai le droit de parler de ce qui me plaît aussi. Tu as baisé sans capote et dans le cas... Beaucoup de militants d'Act Up ont baisé sans capote aussi. Moi, je ne suis pas là pour parler du sida, de toute façon. En plus, je ne préfère pas parler avec Didier Lestrade. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où je ne parle pas aux fascistes, de manière générale. Ah bon, vous pensez que c'est un fasciste ? Oui, c'est un fasciste. Et deuxièmement, c'est qu'il y a une procédure judiciaire parce que Act Up a saccagé les bureaux de mon éditeur des éditions Blanches. Ouais. Et donc, il y a une procédure en cours. Donc, je veux pas parler de ça, quoi. Il y a un schisme dans la communauté. Hein. Grave. Ouais. Ah, mais c'est trop facile, ça. C'est trop facile. C'est-à-dire que pendant des années, vous savez, à chaque fois que j'ai sorti un bouquin, ils me disaient merci d'avoir parlé de moi parce que tu as fait ma promo. Donc, il ne faut pas être aussi cynique que ça. C'est-à-dire, le mec, il a fait vraiment son beurre sur le bareback. Il y a des gens qui ont lu ses bouquins et il y a sûrement des gens qui sont devenus positif aujourd'hui parce qu'ils sont tellement désemparés qu'ils ont pensé que c'était une option possible d'affronter le sida en se contaminant d'une manière voulue. Et maintenant, on est en train de dire que c'est des romans, c'est le même discours que tu as, mais le discours est toujours le même. J'ai toujours dit la même chose. Ouais. Non, mais moi, j'ai dit la vérité, que... j'ai pas un double discours. Non, mais c'est vrai aussi, Didier, vous conviendrez qu'en dehors des romans, et notamment Serial Fucker, le roman de notre ami Rémès, le plus grand sex shop gay de Paris, IEM, a un rayon de vidéos bareback, donc il n'est pas le seul responsable quand même. Oui, j'ai fait des articles dans Têtu pour dénoncer ça. Ouais. Exactement comme j'ai fait des articles dans Têtu pour dénoncer le fait que dans les clubs, il n'y avait pas assez de prévention. Je veux dire, là-dessus, on a fait un travail énorme, et à un moment, Eric, il était plutôt du côté des teneurs de backroom parce qu'il était super copain avec eux alors qu'il n'y avait pas assez de prévention dans les sous-sols. Moi, je suis contre toute répression de la sexualité. Didier Lestrade, c'est un petit peu la Marine Le Pen des backrooms. Ouais. Donc, moi, je suis contre tout système de répression. Je suis un révolutionnaire du sexe, un libérateur de la sexualité. C'est pour ça que j'ai écrit des guides sur la sexualité. Ça fait 15 ans que je parle de sexualité. Là, je sors un nouveau bouquin qui s'appelle Le Sex Guide. Ça fait 450 pages. Il est PD, sur les 450 pages, où il explique aux hétéros comment il faut baiser. Mais j'ai aussi été hétérosexuel, tu vois. C'est-à-dire, si un PD faisait un bouquin... qui explique aux hétéros comment il fallait baiser, moi je sais pas comment... J'aimerais bien que tu me laisses parler aussi. Non, mais ça fait rire tout le monde. Gérard, vous en pensez quoi ? Moi, j'écoute pas. Ah ouais.
Je préfère parler de télé-réalité, ouais, parce qu'on ouais. peut baver sur Starac et la ferme, mais quand on entend ce que j'entends, je suis bien atterré qu'un mec dise « Moi, je baisse sans capote et je suis content de le dire. » On ne peut pas inviter Stéphanie Fugain pour parler de la leucémie, on ne peut pas parler du SIDAction et laisser moi, parler un mec. Non, laisser hein. parler un mec qui ose dire ça, hein. « Moi, je baise sans capote et j'en suis fier et j'ai le droit de le penser. » Moi, je trouve ça une honte. Et je dis « Vous êtes un bel enculé. » Bien. Je crois qu'en témoignant à la télé et en ayant le courage aussi de dire ce que je dis et d'informer les gens, c'est une manière de prévenir. Donc mais si... enfin, vous déguisez un peu, vous, c'est, a priori c'est votre gagne-pain et vous déguisez ça, monsieur parle de prévention. Vous, vous faites du fric sur... Moi, c'est de la prévention radicale, mais c'est non, tout. Non, c'est dégueulasse. C'est la prévention radicale, mais non, pas du tout. En expliquant que tu as fait des choses qu'il ne fallait vraiment pas faire. Ça passe c'est à la prévention, mais avant roman. Que ce soit au stade... Oui, c'est mais un roman. D'après ce que j'ai compris, c'est d'après la ce réalité. Que... Ce que condamne Didier en racontant ce qui se passe dans les backrooms, moi j'en ai parlé il y a un an et demi en faisant un roman. Mais c'est la même chose. Mais toi, dans ta vie, est-ce que tu as fait ça? Et si oui, est-ce que tu sais que tu as contaminé d'autres personnes? Ah, mais moi je suis marié avec un mec qui est séronégatif depuis 3 ans, on est safe et je ne l'ai pas contaminé. Non, hein. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Que... J'ai pas envie de te parler, Didier. Oui, non, non, mais attends, vous pouvez pas dire attends, ça. Attends, mais... j'ai pas envie de pas dire que tu es avec ce mec depuis 2 ans, tu l'as dit dans une autre interview, il faut savoir. Et puis de toute façon, attends, le bouquin que tu as sorti sur le barbac, c'était il y a un an. Et puis ce que tu as fait dans les années précédentes, je veux dire, on va pas commencer à te demander vraiment si tu as contaminé des gens, mais commence pas à dire que c'est des trucs du genre c'est une histoire ancienne. Il y a des gens qui sont séropositifs aujourd'hui. Et tu peux pas tout simplement considérer que c'est un coup que tu as eu il y a 10 ans c'est ou même il y a 5 ans. Moi j'ai informé les tu gens. Vois voilà ce que je veux dire. Si tu te montres. Mais si vous en avez contaminé militant, des gens, vous êtes une ordure. Hein. Mais j'ai pas contaminé c'est des gens. C'est tout. Est-ce que vous avez contaminé des gens sciemment? Non. Et ça, j'en avais parlé l'année dernière, c'est non. Voilà. Oh, comment tu peux dire un truc pareil? Je vous écoute. Et inconsciemment. Non plus. Bien. Et maintenant, on passe au musée. Ça, je sais pas ce que j'ai, les mecs. Qu'est-ce que t'as encore? Je sais pas, je suis crevé. C'est la première fois que ça me fait ça. D'un coup? Je te demande cette coup de barre, tu vois, je veux dire, ça fait 2-3 jours, là, je vois tout trouble. Chaleur. C'est rien, hein. Ouais, c'est terrible, quand même. Je sais pas, tu vois, je suis ça pas aller, bien. Ça va aller. Je vois des. Vous savez ce que je vois? Non. Des éléphants roses. Où? Tiens, regarde, bah regarde. Ouais. Vous les voyez là? Ouais, bien sûr, il y a 2 éléphants roses. Et derrière, t'as des iguanes géantes qui pondent des œufs. Ah bon, vous les voyez derrière, bah oui. Juste là, regarde, il y a 2 dinosaures bleus qui sont en train de s'embrasser. Ça me rassure. Non, le mâle, il est bleu clair même. Bleu clair. Thierry, il y en a une demi-douzaine. Viens, on va au boulot. Viens. Ouais, si vous les voyez aussi. Et rose, rose, hein, c'est un beau rose pour un éléphant. Ah oui, c'est là. Ouais, c'est pas rien du tout, ça me l'a fait aussi. Bon, de Renault, tu t'en souviens? J'étais bien. Pardon. Tu sais que c'est Renault qui m'a donné l'idée d'être rebelle. Pourquoi? J'ai vu le train de vie du mec, les bagnoles et tout, les gonzesses, les bécanes, j'ai dit, ah, y a un créneau là, rebelle. Il n'y avait personne à son enterrement à Renault, et tu sais pourquoi? Non. C'est parce que tous ses potes, qui sont tous rebelles, pour pas être récupérés par le système, ils sont venus le lendemain. Tu as changé pour lui? Ouais. Ouais. Ah, c'est quand même les cheveux, oui, et puis les... Flaquettes. Côtelettes, là, les hauts flaquettes, ouais. T'as toujours ton poulbeau tatoué sur l'épaule? Bah oui, ça ouais, c'est... Pour toujours. Oui. Tu regrettes pas des jours quand tu prends ta douche d'avoir ça sur l'épaule? Non. Non? Non. T'es content?
Ouais, j'ai pas que ça en plus. T'as quoi? Bah, j'ai un aigle, j'ai une gonzesse, qui a un petit manque de marine. Ah, c'est pas mal ça. Ah, toute la famille. Beau. Ah, il y a tout le monde. Il y a Lolita, il y a Nel avec Dominique. Et puis, ben voilà. Ça lui fait de la lecture à ta femme le soir. Alors, tu as dit en fait que tu as changé ton look parce que tu voyais des Renault partout. Quoi. C'est-à-dire que tu dis par exemple que tu avais un foulard rouge autour du cou, tu le mettais au poignet, 15 jours après, au premier rang, il y avait 15 mecs avec des foulards rouges autour du bras, c'est ça? Ouais, non, c'est pas que pour ça, non, mais c'est vrai que c'était un peu agaçant ce phénomène d'identification. Quoi. Tu vois, des mecs, pour prouver qu'ils t'aimaient, ils s'habillaient comme toi. Donc, au bout d'un moment. Moi-même, j'étais une caricature, ou je sais pas si c'était eux ou moi, tu vois. Ouais. Les mecs me voyaient dans la rue, ah, regarde-le, habillé comme Renault et tout. Mais c'est ça, être star. Non, tu t'es donné du mal pour être star, maintenant que tu es star, t'as l'air de vivre assez mal ta célébrité. Non, non, pas du tout. Hein? Bah, je sais pas, tu dis quand je vais au Megastore, par exemple, je garde mon casque de moto le plus longtemps possible sur la tête. Ouais. Tu l'as dit, ça. Mais j'aime pas être dans les endroits publics avec plein de monde autour. Tu as dit je serais plus à l'aise finalement si je chantais à l'abri des oreilles, un peu comme ça, je serais plus tranquille quoi. À l'abri des bravos, à l'abri de l'argent et des oreilles. Le journaliste qui me posait des questions m'avait dit ça vous gêne pas de chanter et puis que vos disques deviennent vos chansons deviennent un produit et que vous-même vous soyez un produit de consommation. C'est vous, vrai que vos chansons, critiques vos deviennent des produits de consommation. Les spectacles deviennent fassent partie de l'industrie, quoi, du capitalisme, tout ça. J'ai dit que peut-être quelque part au fond de mon subconscient, j'aurais préféré vivre dans un pays totalitaire et chanter mes chansons à l'ombre d'une cave, à l'abri des oreilles de la milice. Mais alors pourquoi t'es pas pour Le Pen doigts, Parce que si Le Pen était là, tu vivrais dans un pays totalitaire, tu pourrais te planquer pour chanter. Alors nous, on a fait une expérience, on t'a remis, enfin pas toi, mais ton sosie, on t'a remis dans l'ambiance de la bohème. Tu vas voir, voici co-star de star, Laurent Dafy. Vous cherchez quoi, madame? Le concert de Renaud? Non, non. Voilà, je cherche. Renaud, il passe ici, Fontaine Saint-Michel. C'est la mer qui prend l'eau, patatran. Moi, la mer, elle m'a pris. Je me souviens, un mardi, j'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu. C'est un super mec, ce mec-là. C'est presque un mythe. Ouais, c'est. Ça fait quoi de voir en vrai? Bah là, je suis vachement étonné parce que. J'ai l'impression qu'il a changé beaucoup, quoi. Ça te fait de la peine de le voir dans le creux de la vague aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Ça fait vraiment chier. J'ai vraiment les bouts parce que, putain, j'ai l'impression de pleurer. C'est trop. J'ai pas expliqué parce que c'est trop fort. Toi aussi, tu penses que Bruel lui a piqué un peu tous ses fans? Tout à fait. Ça, c'est vraiment... Je n'ai pas compris comment les gens sont cons pour écouter ce genre de musique. Signe sa pétition, on s'en fout de Bruel. Ouais. Ah, comme tu le dis, on s'en fout. C'est vrai qu'il a plus une thune. C'est vrai? Non, mais crois pas. Pourtant, je sais pas, il vend des albums, je sais pas, non? Le dernier album, il en a vendu 8. Non, c'est... Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je comprends plus rien, la chanson française. Non, mais moi, j'y pige rien non plus, quoi. Tu sais que moi, j'ai un chien, et ça, faut venir chez moi pour le vérifier. J'ai un chien, c'est pas voyou, bien seulement. J'ai mis ce foulard, c'est pas pour toi, toi. Depuis tout petit. Ouais. Là, je crois que je vais le retirer, parce que ça va plus, là. Vous lui dites, parce qu'il est dans le creux de la vague, que vous l'aimez beaucoup et que vous allez acheter son prochain album. Mais non, c'est pas vrai, je vais pas l'acheter. On s'en fout. je suis toujours pas convaincu que vous êtes le vrai. Chantez un peu pour voir. Qu'est-ce que vous voulez que je vous chante? À vous de choisir, ça, alors là. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ça me rappelle quelque chose. Vous avez une petite pièce pour lui? Ah ben, j'ai pas de porte-monnaie sur moi. Un chèque, une carte bleue, il prend tout. Je suis très content de vous rencontrer. Bon, je suis un fan. Tu peux lui dire tu, hein, c'est plus qu'une merde maintenant. Non, non. Là, vous allez un peu fort. Hein. Vous aimez Renaud? Oui, pourquoi pas. Oui. Il y en a, on se demande s'il chante en français ou en étranger. On ne sait pas, mais lui, on le comprend bien. Vous voulez bien signer sa pétition contre le réchauffement de la planète? J'en ai rien à foutre, moi, de le réchauffement de la planète. Mon autographe, alors. Faut me donner un stylo. Alors, oh. Tu peux venir à la maison un jour si tu sais pas où dormir. Ouais. Il est devenu pauvre, hein? Bah ça marche pas du tout son album, et là il va faire une tournée dans le métro, vous voulez lui demander un autographe? Ah ouais, je vais lui demander. Venez. C'est parce qu'il a écrit une chanson sur Tonton, ça a pas marché? Ouais. On se dépêche, on essaie d'avoir au moins 3 autographes aujourd'hui. Mais vous êtes dur avec lui, hein? Au fond du trou, hein? Et vous le faites travailler dur comme ça tout le temps? Ouais. Si le roi des cons perdait son trône, il y aurait 50 millions de prétendants. Est-ce de l'info? Est-ce de l'incrète? Ah, c'est fatigant, excusez-le, messieurs, dames. Ça fait du mal. Arrête, c'est pénible, ça. Tu vas pas nous faire des ritournelles toutes les 5 minutes.
Hein? On a les cassettes. J'en peux plus. C'est loin, tout ça, c'est fini. Il faut tourner la page. Je peux pas tourner la page à un bon coup. J'en peux plus, François. J'y pense tout le temps, ce truc. Pense-y, mais arrête de brailler dans le bistrot. Pensez à Dutronc, là. Ah, il y avait quelque chose de pas mal dans cette séquence, il parlait de Van Gogh. Non, c'est pas celle-là. Moi, justement, j'ai une des séries sur Van Gogh. C'est Van Gogh, c'est un mec qu'on avait vraiment dans le cigare. C'est pas cette séquence-là. Ah bon? T'étais l'enterrement de Dutronc, toi? Non, j'ai pas pu à cause de double jeu. Moi non plus, ça me va. Ce soir, tu es venu avec ton bouquet de cactus. Je te laisse avec tes cactus. Tu as dit, en 27 ans, j'ai bu comme un homme normal en 3 siècles. Pas mal quand même. Moi, j'ai dû boire pour 3 siècles. Pour 3 siècles. Oui. Et tu buvais quoi particulièrement? Je n'irai pas jusqu'à dire de tout, mais du matin au soir, oui. Mmh. Toutes sortes de choses. Ah, tu veux tout savoir les... Non, je ne fais pas une recette comme ça. Il n'y a pas de recette. Mais... Le slinger, par exemple, ça se fait comment? Slinger, c'est du... Il faut de la menthe fraîche. Il faut du cognac, ouais. Et puis du jet, mais blanc, tu vois. Mmh. Voilà. Et ça te glisse parfaitement. Mais en principe, c'est un. Ouais. 20, ça devient autre chose. Entre le whisky, le champagne, enfin... Les... Ouais. Enfin, c'est tout ça, c'est... C'est du passé, tout ça. Ouais, mais c'est de la mémoire, hein, ouais. Tu t'es arrêté... tu t'es arrêté du jour au lendemain, en plus. Ouais, à la seconde près. Ensuite, ouais. Sans cure de désinto. Sans cure. Comment? Sans désinto. Ouais, non, ça c'est une erreur d'ailleurs. Ouais, pourquoi? Parce que tu le supportes très mal 4 mois après, parce que tout le monde t'admire au début. Tu sais, oh, quel courage il a, quelle volonté, machin. Et petit à petit, quand tu commandes de l'eau, t'es jamais servi. Ouais. T'aperçois que t'as l'air d'un con au milieu des gens. C'est... Je peux avoir, mais... oui, oh, ça arrive, monsieur. Non, mais après, tu risques de tomber dans un état plus ou moins, je veux pas dire dépressif, ouais, mais. Quand même. Tu payes la note, quoi. Ouais. Mais t'avais quoi? T'avais le foie qui allait exploser? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, il était bien. Enfin, au point de vue gamma GT, j'ai battu les records. Hein. Ouais. Ouais, ouais. J'ai battu Boringer de... Lamentable. Lamentable. T'étais niveau Gainsbourg, quoi. Ah non, il était ridicule. 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 Non, mais j'ai, si tu veux, j'ai arrêté comme a fait James Dean, quoi. Ouais. Au moment où il fallait. Ouais. Voilà. Mm-hmm. J'étais en train de... Pardon. Ça vaut combien un truc comme ça? Oh, ça vaut le prix d'un repas. Ben. Ah ouais. T'en fumes combien par jour? Le plus possible. Ça fait de l'effet? Pour les autres, oui, parce qu'il y a des gens qui supportent pas. Il y a une vanne que t'as pas dû manquer de faire quand tu tournais Van Gogh. Tu as dû la faire, c'est Théo et Débat, non? Oui. Tu as fait souvent celle-là? Oui, j'en ai fait d'autres. Un Van de Gogh, c'est un paix. Ouais. Un Van Gogh. Pas mal. Alors, en fonction des Théo et Théba, je vais te faire une interview up and down. T'es prêt? La plus grande joie de ta carrière? La plus grande joie de ma carrière, ouais. C'est lorsque j'ai eu un gala d'annulé, que je suis rentré à 8h pour lire les pieds du club dans la chambre d'hôtel merdique. Ouais. Et la plus grande déception? Bah, c'est d'essayer de se masturber avec les pieds nickelés, c'est, on n'y arrive pas. C'est dur, ça prend du temps. C'est effrayant. Le plus grand moment de ta vie? C'est maintenant. Oh, qu'il est gentil. Et le pire moment de ta vie, fais gaffe à ce que tu dis. Bah, ça va être après, quoi. Et chez Françoise, alors? Oui. Ce que tu préfères chez Françoise? Rien. Oh. Mais non, c'est un tout, je veux dire. Ah bon? C'est un tout. Ce que tu détestes chez Françoise? C'est côté paperasse, un peu. Ouais, je t'aime beaucoup pas. Plus comptable que moi. Ouais, côté capricorne, quoi. Je ne rentrerai pas dans le... Ah bon? Signe astrolo, je sais pas quoi. Moi qui croyais qu'on allait parler d'astrologie, ah, monsieur Dutronc. Mais vous pouvez, monsieur. Alors, il y a des phrases que tu dis, comme ça, des fois. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est des phrases définitives et tragiques. Tu dis, entre guillemets, « J'aimerais tellement avoir envie de quelque chose. Mm-hmm. » Ça veut dire quoi? Que le matin, tu te lèves et tu as envie de rien? Oui. Mais c'est dû non, à déjà, quoi? Non, déjà, j'ai envie de me lever, c'est déjà pas mal. Ouais. Parce que beaucoup de gens restent dans le lit, ouais, j'ai pas envie de me lever, mais il faut que j'aille faire ceci.
Non, je me lève et c'est ça qui est terrible, c'est que bah, après je tourne, tu vois, au cinéma bien sûr, et puis par moments. D'accord. Tu aimes bien, comme tu sais pas très bien ce que tu as, tu dis par exemple j'aime bien avoir mal aux dents, parce qu'au moins tu sais où t'as mal. C'est bizarre quand même, non? Ah oui, mais ça, on rejoint un état où tout va pas très très bien, et c'est insidieux, c'est sournois, on ne sait pas exactement. Et d'un seul coup, parfois on a mal à la dent, on dit tiens. Ah, je sais où j'ai mal. Sais où j'ai mal. Et là, t'es content. Tu sais où t'as mal. Oui. Je vais ravi chez le dentiste, là, j'ai essayé. Il me dit, c'est bien, vous avez l'air bizarre. Tu sais quoi faire ce jour-là, au moins. Et tu dis aussi, la vie, c'est vraiment des aphorismes. Hein. La vie, c'est faire semblant de ne pas être mort. C'est dire quoi? Rien. Ah bon. Ton canular le plus réussi. À l'époque où on mettait les chaussures à côté des portes, ça, pour les faire nettoyer, j'envoyais mon secrétaire acheter les mêmes. Ouais. Alors soit une taille en dessous, une taille. Le matin, c'était génial parce que les mecs trouvaient toujours une explication. Ça doit être le chauffage par le sol qui m'a fait gonfler les pieds. Je sais pas quoi. Enfin, ça me faisait assez rire. Il y en a eu d'autres où on chiait tous dans un journal. Et bon, ils me foutaient le feu au journal et on tapait à la porte, on disait au feu. Et bien entendu, la personne devait dormir. Donc son premier réflexe était d'arriver pieds nus ou en pyjama et de taper les pieds là-dedans. Et celui qui a mal tourné? Ben, il n'y en a pas encore, justement. Bon, on va jouer à un jeu idiot. Comme d'habitude, de toute façon. Je vais te donner des noms de gens, comme ça. Un peu comme le tir aux pigeons d'argile. Je vais les jeter en l'air et tu vas me dire ce que t'en penses. Zulewski, par exemple. Bien. T'en penses que du bien, ça va? Bien, bien. Vis-à-vis de moi, bien. Godard? Bien, 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 bien. Tu ne vas pas dire bien, bien tout le temps, comme ça. Bah écoute, moi j'aime bien Godard. Ouais, moi aussi, moi. Claude Sauté? Ah, c'est la famille, ça. Donc, je ne peux que l'apprécier. On se croirait chez Drucker, là. Comment? On se croirait chez Drucker, là. Bah, on n'y est pas, hein, malheureusement. Bah, oui. Hein. Parce qu'au moins, les questions auraient été idiotes et tout ça. Ouais. Antoine, les chemises à fleurs, Antoine. Ouais, il a bien fait de faire de la voile, quoi. Ouais. Bah, voilà, ça va bien doucement. Mm-hmm. Ouais. François Hardy. Quoi? Bah, oui, non, bien, pas bien. Non. Qu'il est méchant. Jacques Lanzmann, donc... Bah, je l'ai revu grâce à toi. Bah oui, tu l'as revu dans 40 ans, 45 tours. Il marche tout seul, maintenant. Ouais. Il n'a pas besoin de moi. Gainsbourg? Bah écoute, je crois que là, il est absent pour un peu de temps. Oui, non, mais c'est quand même le parrain de Lulu, vous étiez très lié, quand même. Oui, je ne vais pas faire le genre sanglot, c'était mon ami. C'était un ami, oui. Enfin, c'est un ami. C'est un des rares, d'ailleurs, par rapport à ce métier. Claude François, tu l'as connu? Oui. Je l'ai connu maquillé et je l'ai pas reconnu démaquillé. Parce qu'un jour, il a débarqué en Corse, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce monsieur. C'était lui. C'était moi. Et Johnny Hallyday. Bah oui, mais lui, c'est un pote. On s'est connus, on devait avoir, je sais pas, quel âge, 14 ans ou 13 ans à la Trinité. Ah oui, la grande époque, midi, minuit, la Trinité, Goldbourg. Ouais. Bah, il était pareil. Il a pas changé. Lui profondément non, mais autour oui, puisque quand c'est Mad Max, il est en Mad Max, en hippie, il suit les trucs, mais c'est un des rares qui, même s'il se met au goût du jour, il est toujours là, je veux dire. C'est un des rares qui a une présence. Et Sheila? Sheila quoi? Sheila, est-ce que tu as connu Sheila? Je sais pas. Oui, elle est venue dîner. On fait la caméra explore le temps là. Elle est venue dîner chez toi? Ouais. Elle adore le saucisson. Ouais. En parlant de saucisson, tu trouves pas scandaleux les rumeurs qui ont couru sur son compte? Sheila est un homme. Ah oui, mais ça c'était à l'époque où on se faisait pas opérer. Oui. On part sur Blind Test. MC Beg, MC Beg en place, MC Beg. Alors,
Est-ce que le traducteur peut traduire pour nos amis britanniques, donc, ce que je veux, c'est pas le titre de la chanson, c'est le nom de l'interprète. Dans un premier temps, on joue par équipe. C'est l'équipe de Zazie contre l'équipe de Laurent Baffy. Et ensuite, c'est chacun pour sa gueule. Il n'y a plus d'amis. C'est l'ultra-libéralisme. C'est l'ultra-libéralisme. Le système que nous contestons, néanmoins. Néanmoins. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes prêts chez vous pour jouer. Ici, nous le sommes. Monsieur Beg Bédé. Oh, pardon. MC Beg, pouvez-vous envoyer votre premier morceau? Il faut faire ça. Mais c'est pas. Oui, d'accord, mais c'est, ils l'ont, quand ils l'ont fait, c'était les Beatles, c'est pas John Lennon, c'est les Beatles. Jamais entendu les Beatles. Parler de ça. Sur l'album Revolver. Bien sûr, et la révélation, ils t'ont pas appris à mettre la révélation? Oui, j'ai la révélation. Si, j'ai mis la révélation. Tu veux la révélation? Ouais. Alors c'est parti, la révélation. Donc, un point pour l'équipe de Zazie. Je suis hyper content. Pour moi, c'est mieux que d'entrer à l'Académie française. Mais tu sais qu'Alain Chabat, son rêve, c'est de faire le blind test aussi. Ouais. Ouais. C'est ouais. 39 ans que j'attends ça. Ben voilà, tu y es, c'est ce soir. C'est énorme. Numéro 2, MC Beg. Non, tu dois faire comme ça. Hey, Frédéric, tu es parfait. T'as vu? Et c'est le film où il y a ton sosie, Mike Myers. Il copie tout sur moi. Bah oui, c'est ça. Continue, mon chéri, c'est très bien. Ah, il faut le doigt. Ah oui, le doigt. Ah, Marc Meyers. Non. Oui, le producteur. Producteur, inspecteur, avec quelqu'un. Ah, merde. Ah, Quentin Jones. C'est dans le son. Oui, Quentin Jones. Quentin Jones. Révélation. Bien. Donc ça fait quoi, ma petite? Ah, ça fait deux pour l'équipe de Laurent Baffy, un pour l'équipe de Zazie. Est-ce que j'ai le droit de souffler au groupe New Order parce non, que non, je les aime? Non, tu n'as pas le droit de souffler au groupe New Order. D'accord, non. Okay. Allez, là, allons-y. Hop. Hanson. Oui, bravo. Qu'est-ce qu'on s'entend bien, dis donc. C'est incroyable, hein. Oui, c'est vrai qu'on a développé une certaine complicité au fil des années. C'est clair. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas mettre le morceau numéro 5. C'est très facile. Il suffit pour moi d'appuyer sur le bouton avec mon index. C'est le prix de The Independent, là, oui. Vas-y. Oui. T'appuies, là, chérie.
Ah ouais, il sait. Ouais, bravo. Bravo. Allez, j'ai un petit grandeur. Ouais, bravo, ma fille. Ouais, ah, ouais. La, 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 la. Continue. Give me an easy one. Pour l'équipe de Laurent Baffy, 4 pour l'équipe de Zazie, associée à This Is, La Peste et New Order. Voilà. On continue, MC Beg. Merci, président. Non, pas loin. Yann Arroz. Pas loin. Tu brûles. Non, oui, tu brûles. Donna Summer. Donna Summer. Ouais, Donna Summer. C'est un bon. Ah, non, non. C'est un bon. Ça va retourner. Attends, attends. C'est Baffy, désolé. Mais non. Ah, c'est Baffy. Continue. Ah. Non, tais-toi. Je veux pas de soufflage. Divo. Ouais, bravo. Quoi? Bravo. Voilà. 5 points pour l'équipe de Zazie, 4 points pour l'équipe de Laurent Baffy. Divo. C'est serré. Chut. Ah, Bobby. Ouais, bravo, c'est non. Je dis avant. Non, il a dit avant. Non. Ah, Bobby Williams. Bobby Williams. Come on hold my hand. Not sure I understand. Ouais, Phil, merveilleux, Phil, merveilleux. Oh, c'est trop bon. Est-ce que c'est bien Laurent? Vous êtes d'accord, ah, Catherine? Là, oui. Bon, j'avoue, ouais, je suis fair play, j'avoue. C'est... Non, c'est pas du fair play, il a répondu avant toi, là. Non, c'est non, mais arrête, il n'y a pas de... T'as dit Moby. J'ai dit Moby, moi. Il va me culpabiliser, lui. Allez, attention. Le doigt. MC Ben. Dis Purple. Non. Metallica. Est-ce qu'il n'y a pas eu soufflage? Eh, hey, je vous jure. Parce que s'il y a eu soufflage, s'il y a eu soufflage, le laissez-moi, laissez-moi parler. Ouais, vas-y. Laissez-moi parler. Ouais. Laissez-moi parler. Objection, votre honneur. Oui. Je vous le jure. Oui. Sur la vie de mes enfants, d'accord, que je savais que c'était Lenny Kravitz. Ok, d'accord. Ouais, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Non, non, non. Dis-y, c'est honnête. Non, mais il a raison. Je le connais. Et parce alors, t'as pas d'enfant, toi? Je connais la version originale. Que la version. Gainsbourg. Non. Ah oui, Nirvana. Ah ben voilà, non, là, là, stop là. Il y a eu soufflage, le point, voilà. Ah ben oui, ah ben oui. Ça fait deux fois. La première fois, je dis rien. Mais la deuxième fois. Vous les gagnez ou vous les perdez?
C'est les filles, là. C'est la première fois, je dis rien. Quand il y a soufflage, mais la deuxième fois. Donc le point va là. Et nous sommes à 6 à 6. C'est-à-dire qu'à l'issue, du par équipe, nous sommes dans une parfaite égalité. Non, le Kravitz, je savais. Oui. Le Nirvana, non. Non, ça, Nirvana, c'est, non, Nirvana, c'est soufflé c'est point, voilà. Donc ah ça oui, fait 6-6. Ah, c'est soufflé là, ça va là. J'ai balancé direct. Voilà. Et en même temps, tu sais quoi ? On te réveille à quelle heure ? Bah non ! Il y a un vrai suspense, et ça, c'est bon pour l'audience. En non, maintenant... Les gens se demandent vraiment qui va gagner. Maintenant, on arrive dans le chacun pour sa gueule, donc il n'y a plus d'équipe. Chacun répond pour soi. J'espère que la traduction explique à nos amis de New Order qu'à partir de maintenant, c'est chacun pour soi, c'est le banco. MC Ben. Hendrix. Queen. Led Zeppelin. Les Stoots, c'est ici, bravo. C'est un point pour nos amis des New Order. Peter, absolument. C'est qui ? Peter Divitt, c'est les Stoots. Le groupe de Iggy Pop avec les frères Ashton. D'accord. Quand ils étaient encore à Detroit. C'est très très vieux tout ça. Ouais. Et maintenant, nous passons au méga banco, mesdames, messieurs. C'est-à-dire que celui ou celle qui va trouver sera le king ou la queen de la soirée. MC Beg, please. Metallica, ACDC. Ouais, this is. Ouais. Bravo. Il est rapide, c'est ça. Eh, j'en ai eu 5. Eh, j'ai un cadeau pour toi. Voilà, merci et bravo Dizzy. Dizzy la peste, mesdames, messieurs. Voilà, c'est tout le monde en parle. Rendez-vous la semaine prochaine.